Allez, je propose que nous commencions à l'heure, mes chers collègues. On retrouve donc Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, qui vont, après être venus ici lundi pour la loi de programmation des finances publiques, nous présenter le projet de loi de finances pour 2024, adopté ce matin en Conseil des ministres. Nous devions être à l'origine également auditionner Bruno Le Maire le mercredi 20 septembre pour évoquer les conséquences des assises des finances publiques qui se sont tenues en juin 2023. Il a finalement paru plus utile et efficace de regrouper ces thématiques avec celles relatives au PLF 2024, avec lesquelles elles se confondent largement, et de les évoquer lors de l'audition de ce jour. Concernant le calendrier d'examen du PLF, nous débuterons en commission par l'examen de la première partie, le mardi 10 octobre. Nous poursuivons les mercredis 11 et jeudi 12 octobre. Le délai de dépôt des amendements sera fixé au jeudi qui précède à 17h. En séance publique, la discussion de la première partie devrait se dérouler du mardi 17 octobre au lundi 23 octobre, en vue d'un vote solennel sur l'ensemble de la première partie qui devrait avoir lieu le mardi 24 octobre, après les questions au gouvernement. Je rappelle à ce propos qu'il faut que la première partie du PLF soit adoptée ou considérée comme adoptée avant de pouvoir passer à l'examen de la seconde partie. L'examen de la seconde partie en commission des finances commencera le mardi 24 octobre. Jusqu'au mardi 31 octobre, la commission se saisira donc successivement de toutes les missions qui seront à l'ordre du jour de la séance publique à compter du mardi 31 octobre, et ce jusqu'au vendredi 17 novembre. Il faudra également examiner en commission les articles non rattachés en vue d'un passage en séance publique le lundi 20 novembre. Le vote solennel sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023 interviendrait donc le mardi 21 novembre. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, c'est à vous qu'il revient d'ouvrir ce marathon budgétaire. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le président de la Commission des Finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, cher Thomas, mesdames et messieurs les députés. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ce projet de loi de finances pour 2024. Nous le présentons dans un contexte très singulier. L'économie française résiste, 1% de croissance. Elle enregistre parmi les meilleurs résultats de la zone euro, 2 millions d'emplois créés au cours des 6 dernières années, une réindustrialisation qui accélère, 100 000 emplois industriels qui ont été créés et un investissement des entreprises qui se maintient. Mais dans le même temps, nous faisons face à une crise inflationniste qui est la plus grave depuis les années 1970, qui entame la confiance des ménages, qui plonge les plus modestes de nos compatriotes dans une véritable anxiété. Sur ce sujet de l'inflation, nous marquons des points depuis plusieurs semaines. L'inflation reflue. Mais ça n'est pas encore visible pour nos compatriotes, et je le redis, en particulier pour les plus modestes d'entre eux. Le deuxième défi, qui est aussi celui du PLF de 2024, c'est d'accélérer le désendettement du pays et de réduire le déficit. Je veux dire à quel point cette ligne des finances publiques saines est un impératif catégorique. Et j'appelle notre majorité à revenir à l'esprit de 2017, à notre ADN politique, qui est celui des comptes publics bien tenus, de la réduction des déficits publics et de la réduction de la dette. Je le dis d'autant plus qu'on ne peut pas dire que nous soyons vraiment aidés par les propositions d'économie de la part des oppositions, qui font assaut de propositions de dépenses sur les carburants, sur d'autres sujets, mais assez peu de propositions d'économie. Ou alors qui critiquent notre trajectoire, mais qui refusent dans le même temps de voter soit la réforme de l'assurance chômage, soit la réforme des retraites, qui sont pourtant ce qui amène le plus d'économies et qui accélère le plus le désendettement du pays. Cette ligne de responsabilité budgétaire, d'accélération du désendettement, qui est la ligne de la majorité, elle est d'autant plus nécessaire quand les taux d'intérêt ont pris 300 points de base. L'argent gratuit, c'est fini. Et c'est fini pour longtemps. Donc il serait totalement irresponsable de poursuivre les dépenses au même rythme au moment où les taux d'intérêt ont atteint les 4% et alourdissent la charge de la dette qui s'élèvera, je le rappelle, à 74 milliards d'euros en 2027. Enfin, le troisième défi de ce PLF,
c'est de dégager des marges de manœuvre pour investir dans le régalien. Chacun voit bien la nécessité d'avoir des forces de sécurité, des forces armées à niveau quand la guerre est de retour en Europe. Investir dans la santé, dans l'éducation, parce que ce sont les deux grands services publics sur lesquels s'appuie la nation française. Et investir massivement et rapidement dans la transition écologique pour faire face au réchauffement climatique. Voilà l'équation qui est posée devant nous. Voilà l'équation que nous voulons résoudre dans le PLF 2024. Protéger contre l'inflation, désendetter et investir. Ça suppose de financer ces investissements et de piloter nos finances publiques en faisant preuve de beaucoup de fermeté et de beaucoup de clarté. Beaucoup de fermeté, cela veut dire, j'ai déjà eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises, que je m'opposerai à toute augmentation d'impôts, toute augmentation de taxes qui ne serait pas déjà choisie dans le cadre de la bascule de la fiscalité brune vers la fiscalité verte et qui alourdirait le taux de prélèvement obligatoire sur nos compatriotes, qui est déjà, je le rappelle, le plus élevé de tous les pays développés de la planète. Notre premier défi, c'est donc de mettre fin à la flambée des prix. C'est notre objectif de court terme. Et je tiens à rappeler que pour lutter contre l'inflation, le point de départ, c'est d'éviter de faire, au niveau national, le contraire de ce qui est décidé au niveau européen par la Banque Centrale Européenne. Ou alors, soyez cohérents, sortez de l'Europe. Mais tous ceux qui me disent plus de dépenses budgétaires, au moment où la Banque Centrale Européenne réduit la voilure sur la politique monétaire, ça s'appelle appuyer sur l'accélérateur quand le voisin appuie sur le frein, ça vous amène tout droit dans le décor. Si nous voulons que l'inflation baisse, ce qui est la première attente de nos compatriotes, la bonne réponse n'est pas injecter toujours plus d'argent public, certainement pas. C'est au contraire de maîtriser la dépense publique, de cibler les aides, sans quoi nous alimentons l'inflation. Et tous ceux qui, la main sur le cœur, font un saut de générosité, en réalité, ne font qu'alimenter l'inflation dont souffrent nos compatriotes. C'est une règle économique, mais il n'est pas mauvais de les rappeler. Cela demande aussi, deuxième règle, que le fardeau de l'inflation soit équitablement réparti. Je vais être très simple là aussi, l'État ne va pas tout payer. Ce serait injuste et ce serait totalement inefficace pour nos comptes publics. L'État prend déjà beaucoup à sa charge, mais il faut aussi, je revendique cette politique, que les acteurs privés, les industriels, les distributeurs prennent leur charge. Alors certains s'amusent, et je le reconnais bien ce droit bien entendu, à dire vous n'arrêtez pas de demander et vous n'obtenez rien. Désolé, nous obtenons. Quand nous rassemblons les industriels et les distributeurs pour leur dire il faut qu'il y ait un plus grand nombre de références de produits alimentaires dont les prix sont bloqués ou dont les prix baissent, 5000 références dont les prix sont bloqués ou dont les prix baissent. Tous ceux qui nous proposent le blocage universel des prix s'adresseront aux agriculteurs qui seront bien contents d'apprendre qu'on a bloqué les prix de leurs produits alimentaires. Ils s'adresseront aux consommateurs qui verront, comme dans tous les pays où ça a été pratiqué, que quand on bloque les prix, eh bien, il n'y a plus de produits dans les rayons. Ça s'appelle la pénurie, ça s'appelle l'Union soviétique, ça ne me paraît pas être la voie à suivre pour la France et pour une grande économie de marché comme l'économie française. Nous avons obtenu de la part des distributeurs des efforts de leur part. Trimestre anti-inflation, maintien ou baisse des prix sur 5 000 produits, avancée de la conclusion des négociations commerciales au 15 janvier 2024, blocage des prix de Total à 1,99 € le litre dans ces 3 000 stations partout en France et engagement des distributeurs à distribuer les carburants à prix coûtant à la pompe jusqu'à la fin de l'année. Pour ce qui relève de l'État, nous avons, avec le président de la République, pris la décision de cibler l'aide sur ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui travaillent. Certains peuvent limiter leurs déplacements. D'autres ne le peuvent pas parce que, tout simplement, ils doivent se rendre sur leur lieu de travail, à leur usine, dans leur hôpital, et ils ont besoin d'être accompagnés. L'indemnité carburant transport, c'est 100 € par voiture pour ceux qui bossent. Elle sera mise en place en janvier. Elle permettra à tous ceux qui travaillent de se rendre sur leur lieu de travail sans se demander s'ils ne perdent pas de l'argent à aller travailler. C'est donc une mesure nécessaire et c'est une mesure juste qui coûtera 430 millions d'euros. Enfin, je rappelle, parce qu'on l'oublie trop souvent, que l'État prend toute sa part par un mécanisme majeur, qui est celui de l'indexation de l'ensemble des prestations sociales, l'indexation de toutes les retraites, et l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur le niveau de l'inflation.
Toutes les retraites seront revalorisées de 5,2%. Tous les minima sociaux seront protégés contre l'inflation par cette indexation. Et pas un Français ne rentrera dans l'impôt sur le revenu en raison du barème, puisque nous indexons le niveau du barème sur l'inflation. Si nous ne l'avions pas fait, c'était 320 000 de nos compatriotes qui allaient être soumis à l'impôt alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être suffisamment augmentés par leur entreprise, qui seront augmentés de 1 ou 2%, ils verront leurs impôts baisser, puisque la réévaluation du barème sur le niveau de l'inflation leur permettra d'avoir des impôts qui baissent. Cette indexation, elle représente, dans le budget que je vous présente aujourd'hui avec Thomas Cazenave, 25 milliards d'euros de dépenses en 2024. 4,5 milliards pour l'indexation des prestations sociales, 14 milliards pour les retraites, 6 milliards d'euros pour l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Et là aussi, je profite de cette rencontre politique au sens noble du terme avec l'ensemble des parlementaires pour tordre le cou à cette idée fausse comme quoi l'État se remplirait les poches en période d'inflation. On me dit, mais avec l'inflation, les recettes de TVA explosent. Mais arrêtons avec les mots, mettons des chiffres. C'est 10 milliards d'euros les recettes supplémentaires de TVA en 2024 liées à l'augmentation des prix. Et rien que pour les indexations, il y a déjà plus du double de dépenses, 25 milliards d'euros. La réalité, c'est que quand il y a inflation, l'État perd de l'argent. Et il faut vraiment raisonner à courte vue ou aimer le mensonge pour prétendre que lorsque l'inflation est là, l'État s'en mettrait plein les poches. Il est obligé de protéger, il est obligé d'indexer, et ça lui coûte plus cher que ça ne lui rapporte. Deuxième défi, accélérer le désendettement. C'est notre objectif, cette fois, de moyen terme, celui qui est fixé par la loi de programmation des finances publiques, qui nous occupera ce soir pour une durée dont on verra ce qu'elle sera. Dans cette loi de programmation de finances publiques, notre objectif est de revenir sous les 3% de déficit, 2,7% exactement, et de ramener la dette à 108%, tout en baissant le taux de prélèvement obligatoire de 1 point, de 45,4 à 44,4. Raison pour laquelle il me paraît sage de tenir cette trajectoire, car 1 point de prélèvement obligatoire en moins ne nous mènera toujours qu'à 44,4% de prélèvement obligatoire, ce qui reste très lourd pour nos compatriotes. Pour tenir ce chemin, il faut que le premier pas soit le bon. C'est celui du PLF 2024. Dans ce PLF 2024, il y a donc 16 milliards d'euros d'économies. 10 milliards d'euros de fin du bouclier tarifaire, 4,4 milliards d'euros de recentrage et dispositifs d'aide exceptionnelle aux entreprises, et 1 milliard sur les politiques de l'emploi, dont 600 millions sur les coûts contrats des apprentis. S'ajoute à cela 700 millions d'euros résultant de la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Avec ces économies, l'État va dépenser 491 milliards en 2024 contre 496 en 2023. C'est donc 5 milliards d'euros de moins. L'État réduit la voilure, l'État réduit ses dépenses, l'État dépense mieux et l'État engage son désendettement. C'est un impératif catégorique. À tous ceux qui me diront « ça y est, l'austérité est de retour », je leur recommande d'aller voir dans d'autres pays européens ce que signifie l'austérité ou de revenir 10 ans en arrière, ils verront que c'est quelque chose d'assez radicalement différent. Et que parler d'austérité, quand on a encore plus de 54% de notre richesse nationale qui est consacrée à la dépense publique, c'est appeler noir ce qui est blanc. Ce budget 2024 est donc bien la première marche d'une trajectoire pluriannuelle des finances publiques ambitieuses, qui repose sur une stratégie claire et volontariste de désendettement, dont le premier pilier est la croissance. La croissance est indispensable pour se désendetter. Et c'est ça qui nous a amené à maintenir la baisse d'impôts sur les entreprises, 1 milliard d'euros de CVAE en moins, et d'envisager une baisse de 2 milliards d'euros d'impôts sur les ménages en 2025, parce que c'est ce qui facilite la croissance et la production de richesses de la part de nos entreprises. Le deuxième levier, ce sont les réformes de structure. J'en ai parlé tout à l'heure, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, qui à elles deux rapporteront 25 milliards d'euros en 2027. Enfin, le troisième levier, ce sont les revues des dépenses publiques. Cette revue des dépenses publiques était engagée en 2023. Elle sera poursuivie chaque année. Elle étudiera l'ensemble des dépenses publiques sans exception.
Elle comportera chaque année 15 secteurs nouveaux, avec un objectif, financer les 12 milliards d'euros d'économies nécessaires en 2025, qui aujourd'hui ne sont pas documentés. Nous avons 6 mois devant nous pour les documenter. Je profite de la présentation de ce PLF pour dire que toutes les bonnes volontés parlementaires sont les bienvenues pour travailler avec nous sur ces revues de dépenses publiques qui nous ont déjà permis d'identifier 2 milliards d'euros d'économies à terme pour mieux cibler la dépense publique et la rendre plus efficace. Et je profite aussi de cette rencontre politique importante pour être très clair avec vous et en particulier avec les parlementaires de la majorité. Ces revues de dépenses publiques sont nécessaires. Elles ne sont pas suffisantes. Pour être efficaces, pour être durables, elles doivent s'inscrire dans une réflexion plus globale sur les missions de l'État, sur le périmètre de l'action publique et sur nos choix fondamentaux de politique sociale. Que chacun réalise que notre modèle social et public n'est pas soutenable sans réforme de structure en profondeur. Et que si nous voulons continuer à soigner gratuitement ceux qui en ont le plus besoin, à éduquer dans les meilleures conditions, à protéger avec efficacité, il faut que l'État repense ses missions, que notre modèle social soit réinventé. Il ne peut pas fonctionner à perte ou à crédit. J'engage tous les parlementaires de la majorité dans ce travail qui reposera à la fois sur les revues de dépenses et, dans le même temps, sur une redéfinition du périmètre de l'action de l'État et du fonctionnement de notre modèle social. Je le dis avec gravité parce que je pense que nous sommes arrivés au bout d'un chemin où des économies conjoncturelles seraient suffisantes. C'est une réflexion structurelle qu'il faut mener. C'est celle à laquelle nous a engagé le président de la République depuis 6 ans. C'est celle qui fait l'identité de notre famille politique et de notre majorité. Et c'est à elle que nous devons être fidèles dans les années qui viennent. C'est ce qui nous évitera des révisions déchirantes ou des décisions prises dans l'urgence. Le troisième défi, le troisième enjeu de ce projet de loi de finances, c'est l'investissement pour préparer l'avenir. C'est notre objectif de long terme. Il est indispensable parce qu'il n'y a pas de désendettement, de réduction de déficit sans croissance. Ce choix nous a conduit à baisser un certain nombre d'impôts, taxes d'habitation, suppression de la contribution à l'audiovisuel public, baisse de l'impôt sur les sociétés, cap qui nous a permis de créer 2 millions d'emplois, d'engager la réindustrialisation de la France et, comme je le disais, de conserver une croissance positive à 1% quand beaucoup de nos voisins européens aujourd'hui sont en récession. Cette politique sera poursuivie, une politique de l'offre qui défend l'emploi, qui défend le travail, qui soutient les entreprises et qui abaisse la pression fiscale. Je rappelle que les entreprises, avec ce PLF, bénéficieront également de conditions de concurrence fiscale équitables à l'échelle internationale grâce à la mise en place de l'imposition minimale à l'impôt sur les sociétés, dite pilier 2. Il sera mis en place dès ce PLF 2024 et il rapportera 1,5 milliard d'euros par an à partir de 2026, preuve qu'on peut être à la fois efficace et juste. Les grands choix d'avenir de ce PLF 2024, vous les connaissez. La sécurité et le régalien, avec les lois de programmation sur la justice, sur la police et sur les armées, qui seront scrupuleusement respectées. La priorité donnée par le président de la République à l'éducation et à la santé. Et enfin, le choix de politique décisif en faveur de la décarbonation et de la transition écologique, rappelé par le président de la République lundi et par la Première ministre hier soir. Nous augmenterons donc le budget consacré à MaPrimeRénov', qui sera porté à 5 milliards d'euros par an, soit 1,6 milliard d'euros de plus. C'est un effort considérable. Nous amplifierons nos efforts sur les véhicules électriques. Nous augmenterons le bonus automobile pour les classes moyennes et les personnes les plus modestes. Nous ouvrirons en novembre les pré-réservations pour un leasing à 100 euros par mois pour les 50% de ménages les plus modestes, avec, je le rappelle, un premier loyer qui sera intégralement pris en charge par l'État. Nous favoriserons aussi la production d'énergie nucléaire avec les discussions qui sont actuellement en cours avec EDF pour avoir un prix de l'énergie qui se rapproche le plus possible du coût moyen de production de l'électricité en France. Nous ne voulons plus que le coût de l'électricité en France soit indexé sur le coût marginal d'ouverture de la centrale à gaz, la dernière centrale à gaz dans l'Est de l'Europe. Nous voulons que les Français payent
le prix de la production en France par les énergies renouvelables ou par le nucléaire et pas, une fois encore, le coût marginal de l'ouverture de la dernière centrale à gaz européenne. Enfin, ces investissements dans la décarbonation supposent aussi d'engager la conversion de notre fiscalité. Nous n'allons pas mettre en place des avantages fiscaux sur l'industrie verte et sur la décarbonation tout en gardant des avantages fiscaux sur les énergies fossiles. Là, c'est complètement shadowkien. Si vous payez des deux côtés, il y a fort à penser que ça ne mènera absolument nulle part. Et je veux saluer l'esprit de responsabilité des secteurs qui sont concernés. Nous sommes parvenus à un accord avec nos amis agriculteurs et avec les entrepreneurs des travaux publics sur la réduction de l'avantage fiscal sur le gazole non routier. Preuve qu'une transition écologique qui n'est pas imposée, mais discutée, qui ne laisse pas les gens seuls, mais qui les accompagne, qui apporte des solutions au lieu de mettre les gens face à des problèmes, c'est une transition écologique qui fonctionne. Il y a 3 ou 4 ans, lorsque nous présentions ce budget, nous avions dit que nous pouvions supprimer l'avantage fiscal sur le GNR en un seul PLF. On s'est vite aperçu que ce n'était pas possible. On a reporté au PLF suivant. On s'est vite aperçu que ce n'était pas possible. On a reporté au PLF suivant. On pouvait continuer comme ça encore très longtemps. Je pense qu'il est de meilleure méthode de discuter avec les secteurs concernés, discuter avec les agriculteurs directement impactés, voir avec eux ce qui est possible, voir avec eux ce qui est raisonnable et les accompagner concrètement. Les agriculteurs verront la fiscalité sur le GNR augmenter de 2,85 centimes par litre de carburant en 2024. Cette augmentation sera la même jusqu'en 2030. Elle ne bougera pas et l'intégralité des revenus fiscaux liés à cette augmentation de la fiscalité sur le GNR ira à l'accompagnement des agriculteurs et à la mise en place d'une filière de biocarburant. Au total, sur cette transition écologique qui est une priorité absolue, nous consacrerons plus de 40 milliards dans ce PLF, soit une hausse de 7 milliards d'euros en crédit de paiement et 10 milliards d'euros en engagement par rapport à 2023. Je crois que nous ne pouvions pas marquer plus clairement cette priorité du président de la République et de la majorité. Thomas Cazenave. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, cher Bruno, mesdames et messieurs les députés. Je suis très heureux de retrouver aujourd'hui de nouveau la commission des finances de l'Assemblée nationale pour vous présenter avec Bruno Le Maire le projet de loi de finances pour 2024. Ce budget est le résultat d'une méthode, celle du dialogue, j'y reviendrai, d'un esprit, celui de la responsabilité, et d'une boussole, agir pour l'avenir. D'abord, le projet de loi de finances pour 2024 consacre la transition écologique comme une priorité absolue. Avec ce budget, nous permettons un financement historique de la transition écologique. À côté de notre dette financière, nous avons une dette écologique à laquelle ce budget permet de s'attaquer. Le projet de loi de finances prévoit l'investissement supplémentaire de 10 milliards d'euros annoncé par le président de la République et la Première ministre dans le cadre de notre stratégie de planification écologique. Ces 10 milliards d'euros se traduisent par une hausse des crédits de paiement de 7 milliards d'euros en 2024. Et ce chiffre correspond à la mise en œuvre de la planification écologique. Je vous en donne quelques exemples très concrets. En matière de transport, nous permettrons la construction de RER métropolitains. Pour 550 millions d'euros pour l'État, nous engagerons des rénovations thermiques des bâtiments. Pour l'agriculture, un exemple parmi bien d'autres, la mise en œuvre du plan E, qui bénéficiera de 110 millions d'euros d'engagement. Le fonds chaleur recevra 300 millions d'euros supplémentaires pour le chauffage urbain et la décarbonation du chauffage des entreprises et des ménages. Nos collectivités territoriales bénéficieront aussi de cet investissement, puisque le fonds vert est pérennisé à hauteur de 2,5 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros pour la rénovation des écoles, comme l'a annoncé le président de la République. Nous inciterons par ailleurs tous les acteurs à s'engager en faveur de la transition écologique, en créant un crédit d'impôt pour l'investissement dans l'industrie verte, pour soutenir la décarbonation de notre industrie, mais aussi en renforçant les malus automobiles pour les véhicules les plus polluants. Nous cherchons à amplifier tous les leviers de financement de la transition écologique en dotant le futur plan d'épargne action climatique d'un régime fiscal incitatif et en mettant à contribution les gestionnaires des infrastructures de transport les plus émetteurs pour financer le ferroviaire.
Alors cette étape franchie en 2024 pour la transition écologique est naturellement un engagement de long terme. Lundi, lors de l'examen ici même en commission des finances du projet de loi de programmation des finances publiques, nous avons donné un avis favorable à un amendement déposé à l'initiative de plusieurs députés, notamment David Amiel et Pierre Cazeneuve du groupe Renaissance, qui prévoit l'établissement d'une stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique. Cet amendement rejoint plusieurs amendements qui ont été déposés par l'opposition. Ce n'est donc pas une surprise et elle correspond à une demande de visibilité exprimée par tous les groupes lors des dialogues de Bercy. Les collectivités ont aussi un rôle majeur à jouer. Nous travaillons avec les associations d'élus pour permettre la généralisation des budgets verts dans les collectivités territoriales. L'enjeu est de nous doter d'une boussole commune. Là aussi, cela permettra, dans le cadre de notre débat parlementaire, d'enrichir le texte initial, j'en suis certain. Ce budget est aussi celui du réarmement des services publics pour nos concitoyens. Nous investissons massivement dans nos services publics qui sont garants de notre cohésion nationale. L'augmentation est de plus de 3,9 milliards d'euros pour l'éducation nationale, 1 milliard d'euros pour la recherche et l'enseignement supérieur, plus de 3 milliards d'euros pour l'armée, 1 milliard d'euros pour le ministère de l'Intérieur, 500 millions d'euros pour la justice. Ces financements permettront concrètement d'améliorer la rémunération de nos enseignants, de poursuivre le programme d'investissement dans les matériels prévus par la loi de programmation militaire, de mieux équiper nos policiers. Mais au-delà de ces chiffres, le service public, ce sont des femmes et des hommes. Ce budget 2024 va permettre de recruter près de 6 700 agents publics supplémentaires dans l'État et 1 580 dans les opérateurs de l'État. Nous créons 3 000 postes d'AESH en 2024, 1 900 postes au sein de la justice, 2 600 personnels supplémentaires dans la police, 700 agents supplémentaires au ministère de la Transition écologique. Je veux le dire très clairement, s'il était besoin, ces créations sont une réponse à ceux qui nous reprochent d'avoir délaissé nos services publics. Rien n'est plus faux. Et enfin, qu'on arrête d'opposer l'État et les collectivités territoriales. Nous portons ensemble les services publics. Les concours financiers de l'État aux collectivités s'élèvent à 54,8 milliards d'euros en 2024. Et la dotation globale de fonctionnement augmentera de nouveau cette année de 220 millions d'euros, après une hausse de 2023 qui était la première, j'insiste, depuis 12 ans. Et nous avons par ailleurs décidé d'étendre, et je sais que de très nombreux parlementaires ici le défendaient, le fonds de compensation de la TVA aux dépenses d'aménagement. Cela répond à une demande des élus locaux et représente un effort supplémentaire de 250 millions d'euros. Mais cet appui que nous portons aux collectivités doit aller de pair aussi avec la réduction du coût des doublons entre l'État et les opérateurs, entre l'État, les opérateurs et les collectivités, avec la réduction du coût des normes. Nous lancerons prochainement une grande mission sur ce sujet pour alimenter des pistes de réformes structurelles. Ce projet de loi de finances, ce sont aussi des grands équilibres avec un cap clair, rappelé par Bruno Le Maire, celui de la réduction de nos déficits publics. Investir pour l'avenir, c'est maîtriser nos comptes publics. Et si l'État a pu protéger, c'est qu'il avait réduit son déficit en 2018 à 2,3%. Un État qui consacre plus aux intérêts de la dette qu'au budget de l'éducation nationale, ce qui sera le cas en 2027, ne peut plus prétendre à être tourné vers l'avenir. Les dépenses de l'État vont passer de 496 milliards d'euros à 491 milliards d'euros. Cette baisse, elle est historique. Elle s'explique d'abord par la sortie des dispositifs de crise. Et je veux vous dire les choses de manière tout à fait directe, les mesures exceptionnelles mises en place au plus haut pendant la crise énergétique ne sont pas éternelles, nous n'en avons pas les moyens. Nous devons sortir progressivement des dispositifs de crise qui pèsent sur nos finances publiques et nous dépenserons 14 milliards d'euros de moins sur les mesures exceptionnelles en 2024. Et dans le même temps, nous devons continuer à lutter contre la vie chère et redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est pour cela que nous revalorisons les tranches du barème de l'impôt sur le revenu, revalorisons les pensions, les minima sociaux, l'équivalent de 25 milliards d'euros pour protéger les Français. C'est un véritable bouclier contre l'inflation. Les économies sur le budget viennent aussi des réformes structurelles. Nous ferons 350 millions d'euros d'économies sur la politique de l'emploi,
en cohérence avec la baisse du chômage, ainsi que 500 millions d'euros en améliorant l'efficience de la politique de formation professionnelle. Le déficit budgétaire va ainsi passer de 165 milliards d'euros à 145 milliards d'euros et nous tiendrons la cible des 4,4% de solde public en 2024. Nous poursuivons de manière méthodique le redressement progressif de nos comptes publics. Et nous devrons continuer sur cette lancée pour les prochaines années. Soyons clairs, notre trajectoire prévoit que nous fassions 12 milliards d'euros d'économies en 2025. C'est un effort très conséquent et c'est dans ce cadre-là que nous relançons les revues de dépenses. Ce PLF est aussi un PLF anti-fraude. Avant d'être un enjeu financier, la lutte contre la fraude est un enjeu de cohésion et de justice sociale. Il n'y a pas de consentement à l'impôt si nous ne sommes pas en mesure de garantir à nos concitoyens que tous ceux qui doivent payer des impôts les payent effectivement. Donc le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale vont instaurer une dizaine d'outils juridiques supplémentaires pour mieux lutter contre la fraude. Je vous en donne quelques exemples. Face à la nouvelle donne numérique, nos administrations pourront déférencer les vendeurs sur les plateformes numériques qui ne respectent pas leurs obligations fiscales ou permettre à nos agents de mener des cyber-enquêtes sous pseudonyme. Nous lutterons contre ceux qui achètent à l'étranger sur Internet et revendent en France sans payer la TVA. Nous créerons une peine complémentaire de privation du bénéfice des crédits et réduction d'impôts pour les particuliers condamnés pour fraude fiscale. Nous mettrons en place un nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale afin de poursuivre tous les intermédiaires qui proposent des montages d'évasion fiscale sans attendre la condamnation de leurs clients. C'est une manière d'empêcher la fraude à la source pour ceux qui vendent la fraude. Et ce délit concernera aussi les personnes promouvant la fraude aux aides sociales, comme l'a récemment fait un YouTuber. Nous y travaillons. Nous créerons une sanction administrative pour lutter contre la fraude aux aides publiques. Et nous mettrons en place dans le PLFSS le précompte des cotisations des travailleurs des plateformes pour leur créer des droits et éviter la fraude. Enfin, nous renforcerons l'arsenal pour mieux contrôler les arrêts maladie. En parallèle de la création de 1500 emplois au sein du contrôle fiscal à Bercy d'ici 2027, c'est l'arrivée de 1000 agents supplémentaires chargés de la lutte contre la fraude au sein des caisses de sécurité sociale qui est prévue. Enfin, nous devons renforcer la sécurité de nos agents qui effectuent les contrôles en permettant la délocalisation de certains contrôles et en assouplissant la procédure d'anonymisation des contrôles. C'est une évolution essentielle, je le dis, après le drame que nous avons connu l'an dernier. Il s'agit là des mesures que nous proposons dès le texte initial, mais nous sommes prêts à l'enrichir. Lors des dialogues de Bercy, la lutte contre la fraude a été évoquée par la plupart des participants. Certains ont proposé de pérenniser le dispositif des aviseurs fiscaux. Nous y sommes très favorables. Enfin, ce PLF est une méthode, celle du dialogue. J'y suis très attaché. C'est pourquoi, depuis mon arrivée, j'ai réuni les parlementaires de tous bords lors des dialogues de Bercy ou de réunions bilatérales. Et je remercie chacune et chacun d'entre vous qui ont participé à ces échanges et qui nous a permis d'identifier un certain nombre de sujets de travail communs. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi, lors de l'examen de la LPFP, d'émettre un avis favorable à une quinzaine d'amendements, à la fois de la majorité et des oppositions. Cette méthode de dialogue, éprouvée avec vous, vaut avec tous. C'est aussi main dans la main avec les collectivités territoriales que nous avons travaillé ce budget. Dans l'esprit du pacte girondin du président de la République, nous avons créé avec Bruno Le Maire le Haut Conseil aux finances publiques locales pour échanger d'égal à égal entre l'État et les collectivités territoriales. Et enfin, et pour finir, s'agissant du PLF, plusieurs thématiques sont ressorties fortement de nos dialogues, notamment la question du logement, la question de la justice fiscale ou de la transition écologique. Je le redis ici, nous serons ouverts à vos propositions. Le texte que vous avez dans les mains est le texte initial, ce n'est pas le texte final. Je vous remercie. Bien, merci messieurs les ministres. Quelques observations et quelques questions. En préambule, je crois qu'on a matière à avoir un beau débat budgétaire à l'Assemblée. Je dirais même, à bien des égards, peut-être aussi un débat de société. Donc j'espère que nous l'aurons
de façon argumentée et intéressant les Français. En tout cas, moi, je m'engage à faire en sorte que ce soit le cas. Et la deuxième chose, ça va peut-être paraître être un vœu pieux, mais j'espère que si des majorités s'expriment pour des propositions qui ne sont pas forcément contenues dans ce budget initial, le gouvernement saura les voir de manière positive, même si j'ai bien compris que pour l'instant, vous mettez certaines lignes rouges. Je voudrais commencer par dire que dans les mesures de baisse des dépenses publiques que vous proposez, la plupart ont un gros défaut, à mon sens, c'est que finalement, elles vont s'attaquer encore un peu plus au pouvoir d'achat des Français, notamment des plus défavorisés. Je pense à la question, par exemple, des franchises médicales sur le PLFSS. Je pense aussi à la fin du bouclier énergétique, même si, j'y reviendrai tout à l'heure dans les questions, il me semble que les annonces du président du chef de l'État sur le chèque carburant tend à nous laisser un peu dubitatif sur cette véritable fin, mais j'y reviendrai. Tout ça touche la question de l'inflation. Bon. Je vous ai entendu, Bruno Le Maire, vous avez expliqué que ce n'est pas que l'État qui pouvait prendre sa part sur la question de l'inflation. Bon, je regarderai un peu ce que vous avez fait comme démonstration sur le prorata entre les recettes et ce que rapporte l'inflation à l'État et ce que ça coûte. Mais je voudrais tout de suite ajouter quelque chose. Aujourd'hui, l'inflation est payée par une très grande majorité de nos concitoyens, tous ceux qui ont des salaires non indexés, tous ceux qui ont des allocations minimales pour vivre non indexées. Et si il faut regarder ceux qui profitent de l'inflation, il faut davantage regarder sur la question des marges des entreprises que justement sur la question des salaires. Donc l'inflation, comme malheureusement d'ailleurs souvent aujourd'hui, en tout cas de manière très claire, c'est ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre qui la payent, et avec évidemment un problème corollaire, c'est que c'est ceux qui permettent d'alimenter la consommation populaire. Donc ça a un lien avec l'activité économique. Deuxième réflexion critique que je fais après avoir lu succinctement votre budget, c'est que je considère que ça ne répond pas aux besoins de la population, du moins les besoins les plus cruciaux. Je commencerai par la transition énergétique. Bon. Vous annoncez 7 milliards d'euros. Je pense qu'on est loin du compte et de ce qui serait nécessaire, notamment annoncé par le rapport Pisani-Ferry, sur les 37 milliards, certes, en 2027, mais dont on voit bien que pour arriver à 37 milliards, je parle là simplement de la part publique, en 2027, il faudrait commencer à plus de 7 milliards aujourd'hui. Donc je ne crois pas que nous soyons à la hauteur de l'enjeu climatique et de la dette écologique qui ne cesse de croître. Deuxième chose, je ne prends qu'un exemple, parce qu'on pourrait aussi parler de la santé des EHPAD, mais je ne crois pas non plus qu'il soit à la hauteur, même si j'ai entendu dans les dialogues de Bercy, de la part notamment de Thomas Cazenave et de Bruno Le Maire, que vous considériez, oui, que c'était un chantier à ouvrir, mais pour l'instant, on est loin du compte sur la question du logement qui menace le pays d'implosion sociale. Et je mesure mes mots dans ce que je suis en train de dire. J'ai bien vu que vous étiez ouvert sur la question Airbnb, tout ce qui touche à Airbnb, résidence secondaire, etc. J'ai vu avec inquiétude que pour résoudre peut-être dans l'urgence la question, vous envisagiez qu'on laisse louer des passoires thermiques. Je dois dire que penser que l'environnement et le climat peut être encore une variable d'ajustement dans la période me semble dubitatif, mais ça ne répond pas à la question à la fois urgente et puis aussi à moyen terme du manque de logement dans ce pays, du fait que le logement est trop cher et du fait que ça craque partout. Bon. Donc je pense que ce budget ne répond pas aux besoins des Français et à mon sens, c'est de là qu'il faut partir. Troisième chose, vous avez quand même des difficultés et quelques contradictions. Quelques contradictions parce que, au fond, si je regarde la loi de programmation des finances publiques, vous annoncez des baisses de dépenses publiques, mais celles qui vont à un moment taper dans le dur du dur, c'est 2025, bon, avec 12 milliards que vous annoncez non documentés, qui, si on le comprend bien, devraient cette fois toucher de manière encore plus importante des services publics essentiels, enfin, des dépenses publiques essentielles à nos concitoyens. Bien. Et ça me laisse dubitatif. Et si, et une des raisons peut-être pour lesquelles finalement tout ça est reporté à 2025, c'est peut-être finalement un constat que vous refusez de faire, mais qui touche les chiffres annoncés de croissance en 2023. Vous avez raison de dire, Bruno Le Maire, que les économistes estimaient que la France n'atteindrait pas 1% de croissance en 2023. Vous avez raison de le faire. Mais il faut peut-être se demander pourquoi.
Pourquoi sommes-nous différents, par exemple, de l'Allemagne qui est rentrée en récession ? Et est-ce qu'au fond, la raison pour laquelle la France a plutôt mieux résisté que les autres pays européens n'est pas due à ce que vous critiquez par ailleurs en permanence, c'est-à-dire le fait qu'elle a un taux de dépenses publiques supérieur justement à ces pays européens qui, en cas de reflux économique, permet justement de soutenir l'activité économique. Moi, je le crois profondément. Et d'ailleurs, ça a été observé après la crise de 2008. Or, monsieur le rapporteur, je vous donnerai la parole. Or, je crains que l'an prochain, cette réalité soit moins atteinte. D'ailleurs, Pierre Moscovici a dit ici même ce matin qu'il estimait que les 1,4% de croissance ne seraient pas atteints, notamment de ce fait-là, et qu'on soit dans une situation où le déficit annoncé, à mon avis, sera supérieur. Mais ça, on pourra se donner rendez-vous à la fin de l'année. Autre point que je voulais souligner, vous dites c'est fini de distribuer gratuitement. L'argent gratuit, c'est fini, pardon. Mais est-ce que le corollaire de l'argent gratuit, c'est fini ? C'est pas de se dire qu'il faudrait peut-être que ça soit fini de distribuer gratuitement aux plus riches, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les dépenses fiscales que vous avez accumulées pendant des années, dont certaines ont alimenté considérablement les plus riches de nos concitoyens ces dernières années, eh bien, est-ce que... Alors déjà, je pense que c'était déjà pas supportable en temps normal, mais est-ce que c'est encore plus supportable quand les taux d'intérêt remontent ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'à partir du moment où on a besoin de recettes, et vous le dites, et d'ailleurs... C'est aussi la réponse, Bruno Le Maire, que je vous fais quand vous dites « J'attends des oppositions qu'elles nous disent quelle autre dépense réduire ». Je vous le dis très clairement, quelle autre dépense réduire, c'est d'aller chercher l'argent là où il a été accumulé et de manière considérable, c'est-à-dire dans la poche de nos concitoyens les plus riches qui vivent du capital auquel que vous avez très largement, j'allais dire, désindexé par rapport à l'imposition du travail. Je vous ai posé cette question, Bruno Le Maire, lors des dialogues de Bercy, notamment en lien avec l'étude IPP qui a été faite avec Bercy sur l'accumulation, le fait que le taux d'imposition global des 370 plus riches en France était d'environ 25% si on cumule impôt sur le revenu, impôt sur professionnel. Vous m'avez dit que c'était un constat que vous pouviez partager, mais vous le renvoyez au niveau européen. Moi, ma question, c'est pourquoi on renvoie au niveau européen des mesures qui touchent les plus riches de nos concitoyens et qui pourraient rapporter des milliards à l'État. Et par contre, on ne renvoie pas au niveau européen le fait de s'attaquer aux retraites, aux chômeurs ou, je l'ai dit encore, à d'autres mécanismes. Là, il n'y a pas de problème. On peut le faire au niveau national. Voilà un petit peu les observations que je voulais vous faire. Et de cela, j'ai quelques questions précises. Sur la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, est-ce que vous pourriez nous préciser la répartition de la prévision de recettes de 600 millions d'euros pour 2024 entre les différents types d'exploitants, autoroutes, aéroports. En comparaison du montant des surprofits, le taux de 4,6% ne peut-il pas être qualifié de timide ? L'article 4 permet d'assurer l'application du pilier 2 de l'OCDE visant à instaurer un taux d'imposition minimal des grandes entreprises. Pour autant, il prévoit d'appliquer la règle des bénéfices insuffisamment imposés à compter de 2025 seulement. Cela signifie-t-il que certaines entreprises vont échapper à cette imposition minimale ? Troisième question. Dans son rapport sur l'application des mesures fiscales, mon collègue Jean-René Cazeneuve indiquait qu'avec la prolongation partielle en 2024 du bouclier tarifaire, une réflexion sur la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale en 2024 serait justifiée. À la lecture du projet de loi, il me semble que vous avez finalement décidé de ne pas reconduire cette contribution. Quelles en sont les raisons ? L'article 16 prévoit une réforme d'ensemble des redevances perçues par les agences de l'eau. On comprend qu'il s'agit de les rendre plus incitatives et de financer les mesures du plan d'eau. La redevance sur la consommation d'eau potable sera due par tous nos concitoyens. Cette mesure va-t-elle se traduire par une augmentation de la facture, renchérissant toujours plus le prix des mètres cubes d'eau nécessaires aux premiers besoins qui devraient être gratuits ? J'ai également une question sur l'audiovisuel public au niveau de son montant et de mode de financement. Est-ce que vous comptez renouveler, reconduire le mécanisme qui a été celui de l'an dernier. Et enfin, j'ai une dernière question, mais qui était induite par l'observation que je vous ai faite tout à l'heure, sur le chèque 100 euros du chef de l'État. Est-ce que vous êtes vraiment sûr, en fonction justement de l'inflation persistante sur l'énergie, que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de cette fin du bouclier énergétique à ce jour ? Et une dernière réflexion amusante, Bruno Le Maire, vous qui ne m'avez pas habitué à la polémique, je voudrais dire que évoqué pour le blocage des prix l'URSS, c'est furieusement 70s.
Alors l'autre fois, au dialogue de Bercy, vous m'avez parlé de ne pas désespérer Boulogne-Billancourt. Bon, alors ça renvoie peut-être d'ailleurs aux années où le blocage des prix a eu lieu en France. Et je vous rappelle qu'en dehors du gouvernement Mauroy, de celui de Rocard, il y a eu aussi celui du gouvernement Barre, et que ce n'était pas forcément l'URSS dans ce pays. Mais voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Messieurs les ministres, merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être quelques remarques avant de vous poser un certain nombre de questions. Première remarque, c'est que vous en avez parlé très rapidement, mais nous avons tenu nos engagements pour 2023, malgré un contexte économique international extrêmement difficile et contraire, malgré les avertissements, les oiseaux de mauvais augure très nombreux il y a un an sur notre capacité à tenir nos engagements en 2023, nous l'avons fait, et toutes les hypothèses donc, d'atterrissage pour 2023, le président de la Cour des comptes l'a encore expliqué ce matin, sont plausibles, que ce soit en matière de déficit, en matière de dépenses, en matière d'inflation et en matière de croissance. Deuxième remarque, c'est que c'est un budget de responsabilité pour notre majorité. Responsabilité d'abord sur la trajectoire. Nous sommes engagés avec la loi de programmation sur un redressement des finances publiques jusqu'à 2027 à hauteur de 2,7% de déficit. Ça passe par 4,4% de déficit en 2024. Ça me paraît être le minimum. C'est un objectif que nous devons absolument tenir pour garder notre crédibilité vis-à-vis des marchés et vis-à-vis de l'Europe. Deuxième raison, c'est un budget de responsabilité, évidemment, sur la partie transition écologique. L'effort que nous faisons dans ce budget est absolument unique, exceptionnel. Nous avons beaucoup travaillé avec des instituts sur le chiffrage de ce qu'il fallait faire pour respecter nos objectifs. Nous avons beaucoup travaillé sur la déclinaison secteur par secteur entre les entreprises, entre les collectivités territoriales, entre l'État, sur la manière dont chacun devait porter sa part pour atteindre ses objectifs. Et nous avons, dans la loi de programmation, effectivement, voté la planification des moyens sur lesquels l'État doit s'engager pour atteindre cet objectif. Et la marche que nous franchissons en 2024 nous paraît extrêmement importante et s'inscrire dans cette lignée, monsieur le Président, qui nous permettra d'atteindre en 2027 l'objectif du rapport Pisani-Ferry. Je ne vous parlerai pas très rapidement de l'augmentation du fonds vert, l'augmentation des fonds de l'ANA, l'augmentation de ma prime Rénov, l'extension du budget vert. Nous faisons feu de tout bois. C'est un budget en matière d'écologie à 360 degrés. Et troisième élément qui montre notre responsabilité, c'est que, évidemment, nous avons un soutien particulier pour toutes les politiques prioritaires, que ce soit l'éducation, que ce soit le régalien, avec des augmentations pour 2024 extrêmement importantes et significatives. Deux points peut-être encore. Revenir moi aussi sur le pilier 2. Je veux dire que c'est une grande mesure, et je pèse mes mots, c'est une grande mesure de justice fiscale. Je pense qu'ici, il y a quelques années, beaucoup en auraient rêver. Ça s'inscrit dans le travail qui a été fait par notre gouvernement, d'abord sur la taxe dite GAFA, pour lutter contre la sous-imposition, on va le dire comme ça, des géants du numérique en France. La France a été moteur. Et la France a été moteur également. Je voudrais saluer le rôle de Bruno Le Maire en la matière pour cet impôt minimal au niveau mondial. Maintenant, ça va être réel. Ça veut dire que plus aucune entreprise internationale, multinationale, ne pourra payer dans aucun pays de l'OCDE, c'est-à-dire 130 ou 140, moins de 15% d'impôt par État et par région. C'est une avancée extrêmement importante de justice. Et puis, autre mesure de justice, mais je ne vais pas m'étaler, le ministre Cazeneuve en a parlé beaucoup, c'est évidemment la lutte contre la fraude, qui est absolument essentielle pour nous. Je cite la création d'une peine d'indignité fiscale, la création d'un délit de mise à disposition de moyens servant à frauder, l'encadrement réservé des prix de transfert, on revient sur l'optimisation, la sécurisation du cadre d'intervention des agents, etc. etc. Là aussi, un budget extrêmement sérieux, copieux, si vous me permettez l'expression, en matière de lutte contre la fraude. J'ai quelques
question, messieurs les ministres. En prévoyant un déficit de 4,4% en 2024, vous engagez résolument la France dans la voie de la maîtrise des finances publiques. On en a parlé, donc conformément au pacte de stabilité et au projet de loi de programmation des finances publiques adopté par la commission des finances il y a 48 heures. Afin d'y parvenir, malgré les aléas liés à l'exécution budgétaire et les incertitudes macroéconomiques, pouvez-vous nous décrire les niveaux de mise en réserve et les moyens de régulation budgétaire dont vous envisagez l'usage afin de garantir l'atteinte de ces objectifs en 2024. Vous nous présentez également un plan d'émission de dette record de 285 milliards d'euros, supérieur au montant des années précédentes, parce que l'amortissement de notre dette pèse plus lourd, même si le déficit à financer décroît nettement. Que pouvez-vous vous dire des conditions d'emprunt actuelles de notre pays ? Deuxième question, dans le paquet de verdissement de notre fiscalité, extrêmement significatif, je viens de le dire, vous proposez donc une fiscalité à l'immatriculation des véhicules et des véhicules de société, en particulier pour tenir compte de le coût écologique de l'intégralité de la fabrication de ces voitures. Quel rendement attendez-vous de cette taxe ? Et pouvez-vous nous confirmer que 100% de son produit sera réinjecté dans la transition écologique ? Et quand les Français auront-ils l'information, j'ai envie de dire voiture par voiture, de ce qu'ils pourront attendre comme type d'aide ? Et également, quand pouvez-vous nous dire que nous serons en mesure de lancer le leasing à 100 euros par mois pour les voitures électriques. Enfin, dernière question sur les nombreuses mesures de lutte contre la fraude fiscale incluses dans ce texte. Quels sont les objectifs chiffrés que vous vous fixez en matière de lutte contre la fraude fiscale dans les prochaines années, appuyés donc par les évolutions législatives dont on parle ? Et quels sont les moyens humains nouveaux dans le PLF 2024 ? Puis les années suivantes, que vous comptez affecter à l'atteinte de ces objectifs. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Messieurs les ministres. Merci, monsieur le président. D'abord, sur le pouvoir d'achat des plus défavorisés, je le redis, l'indexation de toutes les prestations sociales est la meilleure des protections qui est apportée aujourd'hui à tous ceux de nos compatriotes qui sont les plus touchés par l'inflation. Je rappelle que sont indexés en France le RSA, les allocations familiales, la prime de rentrée scolaire, le minimum vieillesse, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, l'allocation spécifique de solidarité. Donc le filet couvre très largement nos compatriotes. Quant à la sortie du bouclier sur le gaz et sur l'électricité, je maintiens que c'est une mesure juste à partir du moment où les prix du gaz et les prix de l'électricité baissent. Il n'y a aucune raison de maintenir une protection maximale. S'agissant des marges des entreprises, je rappelle que le président de la République a annoncé dimanche soir la mise en place d'un accord de modération des marges. Nous y travaillons avec les industriels et les entreprises concernées. S'agissant du financement de la transition écologique, là je pense que c'est un débat qui est utile. Nous ne contestons pas le montant global qui peut être nécessaire, 60 à 70 milliards d'euros par an, mais nous contestons formellement que l'intégralité de ce financement doive retomber sur les épaules de l'État. Il faut mobiliser les financements privés. Nous l'avons fait avec un certain nombre d'instruments dans la loi Industrie verte. Je constate que le taux d'épargne des ménages a augmenté de 15 à 19%. Il n'a jamais été aussi élevé dans notre pays depuis plusieurs décennies. Mais c'est cette épargne-là qu'il faut mobiliser. Si nous mobilisons sans cesse l'argent de l'État, nous allons creuser à nouveau les déficits et la dette. Un mot sur le logement. C'est un enjeu immédiat et de long terme absolument majeur pour nos compatriotes. Et il faut bien noter que notre politique du logement depuis plusieurs décennies n'a absolument pas donné les résultats escomptés. Nous dépensons environ 1,5 point de richesse nationale de plus que l'Allemagne à notre politique du logement, avec des résultats qui ne sont absolument pas à la hauteur de nos compatriotes qui ont du mal à se loger et qui consacrent une part très importante de leurs revenus au logement. Donc ça ne va pas
il faut corriger. Et c'est l'objectif de cette refondation de politique de logement qui me paraît indispensable. Nous devons refonder notre politique du logement. Pour refonder notre politique du logement, il faut d'abord qu'on soit clair sur les objectifs. On ne peut pas poursuivre 50 objectifs à la fois. Pour moi, c'est ce qui explique que depuis plusieurs décennies, on ne soit pas capable d'avoir de bons résultats. Et ça peut faire l'objet d'un beau débat politique. Est-ce que l'objectif d'une politique du logement, c'est d'abord de garantir un revenu supplémentaire à un certain nombre de compatriotes par l'immobilier locatif? Si c'est ça l'objectif prioritaire, il faut multiplier les avantages fiscaux, comme c'est le cas depuis 10 ans, ce qui donne après une certaine notoriété aux ministres du logement successifs, qui voient leur nom accolé à une loi. Le problème de cette solution, c'est qu'elle est extraordinairement coûteuse. Le Pinel, c'était 2 milliards d'euros pour 30 000 logements par an. Donc je ne trouve pas que ce soit forcément très efficace. Mais on peut en discuter. Pour moi, l'objectif principal d'une politique du logement, c'est construire rapidement des logements de qualité dans les zones tendues. Et ça doit être ce seul objectif qui devrait nous guider, mais ça doit faire l'objectif, ça doit faire l'objet évidemment d'une discussion entre nous. Troisième remarque, est-ce qu'on peut modifier immédiatement un certain nombre de paramètres? Mais la réponse est oui. J'ai parfaitement conscience, comme vous, Monsieur le Président, qu'il y a urgence sur le logement et que donc il faut corriger un certain nombre de paramètres. Nous avions décidé de restreindre le champ d'application du prêt à taux zéro, qui permet à un certain nombre de primo-accédants d'avoir une mise de départ et donc d'avoir des crédits immobiliers plus facilement. Je suis tout à fait prêt à reconnaître qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, la production de crédits immobiliers a chuté davantage que ce que nous avions prévu. Je pense que c'est toujours bien de reconnaître quand on n'a pas nécessairement atteint son objectif pour corriger plutôt que de s'entêter. Donc je suis prêt à revoir le barème du PTZ pour qu'il puisse toucher un plus grand nombre de nos compatriotes, y compris des classes moyennes, et servir d'apport à des ménages qui veulent acheter pour la première fois et qui ont besoin impérativement de ce prêt à taux zéro. Je suis prêt également à réfléchir, dans le prolongement des propositions de l'excellent président du groupe Modem, Jean-Paul Mattei, à la mise en place d'un prêt à taux intermédiaire qui serait un peu moins coûteux pour les finances publiques, mais un peu plus accessible pour les classes moyennes, avec un taux de crédit aujourd'hui qui est à 4%, il est évident qu'un prêt à taux intermédiaire retrouve du sens, tout à fait prêt à travailler sur ce sujet-là. Et nous avons décidé, dans les mesures immédiates, que sur les logements dits Airbnb, l'avantage fiscal devrait passer de 71% à 50% pour libérer aussi un certain nombre de biens immobiliers. Après, il y a les réflexions de moyen terme. Là aussi, je reprends certaines propositions faites dans le rapport Sansu-Mattei, qui est un rapport dans lequel il y a plein d'idées, certaines que je partage, d'autres que je ne partage pas. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises. Je dis juste que certaines, je les partage, et d'autres, je ne les partage pas. Mais dans celles que je trouve intéressantes, il y en a beaucoup, je vois qu'est soulevée la question de la fiscalité sur les résidences secondaires. On devrait oublier ce terme de résidence secondaire qui est impropre, parce que c'est 4 millions de logements, et ça n'est pas que des villas dans les endroits les plus cotés du territoire français. C'est des appartements, c'est des T2, c'est beaucoup de biens immobiliers. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui permet l'exonération de charges sociales, de charges fiscales, qui va de 22 jusqu'à 30 ans. Un, les règles fiscales et sociales ne sont pas alignées. Ce n'est pas très cohérent. Deux, elles sont très éloignées, 30 ans. Trois, la conséquence de tout ça, c'est que les biens immobiliers ne circulent pas. Vous proposez de réviser ces règles-là. Je suis tout à fait prêt à engager le débat avec vous, regarder combien ça coûte, combien ça peut remettre de logements sur le marché dans des délais rapides. Je trouve que c'est une proposition très intéressante. Autre proposition de moyen terme, qui est très sensible, je le sais, mais à laquelle je crois, donc je vous donne mes convictions, sinon cette commission des finances peut être rébarbative. Il y a des normes, il y a des règles qui méritent d'être simplifiées dans le bâtiment. Et je pense qu'on ne faut pas écarter d'un revers de la main et faire de toutes ces normes et de toutes ces règles l'étape de la loi et l'étape du prophète. On doit pouvoir regarder un certain nombre de normes, de règles, de se dire, bon, quand il n'y avait pas de problème de logement, c'était peut-être tout à fait approprié, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas suspendre l'application de certaines, modifier l'application de certaines, simplifier l'application de certaines? Je n'ai pas la réponse immédiate. Je dis que c'est un débat qui vaut le coup d'être livré. Donc voilà sur la question du logement. En tout cas, je partage, Monsieur le Président,
votre inquiétude sur ce sujet, la nécessité d'agir, d'agir vite, d'agir fort, mais avec une perspective de long terme, puisque le logement, c'est le long terme, qui doit être de construire rapidement et des biens de qualité là où les zones sont tendues. Sur les économies de 2025, je le confirme, ce sera évidemment un débat entre nous, oui, la marge de 2025 est difficile. Il faudra trouver 12 milliards d'euros d'économies. C'est pour ça que j'ai lancé cet appel cet après-midi à tous les députés, en particulier de la majorité, à travailler avec moi à deux choses. Les revues de dépenses publiques qui vont permettre de dégager des économies et des transformations structurelles de la place de l'État et de notre modèle social en France pour arriver à documenter ces 12 milliards d'euros d'économies. Un point d'accord avec vous, c'est sur l'impôt minimum à l'impôt sur le revenu. Je pense que cela mérite d'être lancé au niveau européen. Je rappelle que c'est la France qui a lancé la taxation des GAFA. C'est la France qui a lancé la taxation minimale à l'impôt chez les sociétés. Eh bien, ça peut être la France qui lance l'idée de la taxation minimale à l'impôt sur le revenu avec tous ses partenaires européens. Alors, pourquoi en européen plutôt qu'en français ? Ben, tout simplement parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des départs de nos compatriotes du territoire français par une fiscalité qui serait plus pénalisante en France que dans les autres pays européens. Sur la contribution sur la rente inframarginale, elle a été mise en place par l'Union européenne en 2022. Nous l'avons immédiatement mise en place, reconduite en 2023, et elle s'éteint au 31 décembre 2023. Si, dans leur grande sagesse, des parlementaires souhaitent prolonger la contribution sur les rentes inframarginales, j'y suis ouvert. Et le gouvernement y est ouvert. Dans une période d'inflation persistante, il me paraît légitime, il me paraît juste d'ouvrir cette réflexion. En tout cas, je l'accueille favorablement. Sur les prévisions de croissance, je rappelle que la prévision de croissance de l'OCDE et de la Commission est à 1,2%, celle du FMI à 1,3%. Par conséquent, notre prévision à 1,4% me paraît raisonnable. Les autres prévisions de croissance ne tiennent pas compte de l'effet sur notre croissance de la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites. Jean-René Cazeneuve, monsieur le rapporteur général du budget, sur les conditions d'emprunt actuelles de notre pays. En 2024, le besoin de financement de la France va s'établir à 300 milliards d'euros, en baisse de 11 milliards d'euros. Il sera principalement couvert par des émissions nouvelles de dettes à moyen et à long terme. Ces émissions nouvelles de dettes s'élèveront en 2024 à 285 milliards d'euros. Un chiffre qui est évidemment élevé, mais notre programme d'émission d'emprunt se déroule sans difficulté en 2023. 85% des émissions d'emprunt ont été réalisées, évidemment à des taux plus élevés que par le passé en raison de la politique monétaire de la BCE. Désormais, les taux d'émission de ces emprunts sont supérieurs à 3%. Je précise enfin sur ce sujet absolument majeur pour nos finances publiques qu'il ne s'agit pas d'une situation propre à la France et que l'écart de taux avec l'Allemagne, le fameux spread, sur nos obligations à 10 ans, reste stable depuis le printemps 2022, autour de 50 à 60 points de base. Cela montre la solidité de la politique économique française. S'il y avait le moindre doute des marchés sur notre capacité à financer cette dette par notre croissance, vous auriez un spread sur les taux avec l'Allemagne qui serait beaucoup plus élevé. Il est stable à 50 à 60 points de base depuis le printemps 2022. C'est pour moi le meilleur indicateur de la solidité de notre stratégie économique. Cela ne m'interdit pas de rajouter, et je pense que vous partagerez cet avis, que lorsqu'on émet 285 milliards d'euros d'emprunt pour 2024, il y a urgence à se désendetter et à réduire la dépense publique. Dernière chose sur les bonus sur les véhicules électriques. Nous donnerons, nous sommes encore en discussion avec la ministre chargée de l'énergie et avant arbitrage avec la première ministre. Je peux juste vous confirmer que le montant de ces bonus sur les véhicules électriques augmentera en 2024 pour les ménages modestes et pour les classes moyennes. Et je vous confirme que les premiers leasing à 100 euros pourront être souscrits à partir de mi-novembre de cette année. Enfin, tout dernier point peut-être, même si c'est plus de la politique industrielle que de la politique budgétaire, je rappelle que pour la première fois,
les bonus sur les véhicules électriques seront réservés à des véhicules qui remplissent un certain nombre d'obligations environnementales et qui respectent les meilleures normes environnementales de la planète, c'est-à-dire principalement des véhicules européens. Et je pense que c'est très important qu'on puisse dire à nos compatriotes, depuis cette salle de la Commission des finances, que désormais, le 1,2 milliard d'euros du bonus sur les véhicules électriques qui sont payés par le contribuable vont à des véhicules européens qui respectent les meilleures normes environnementales. Car il y avait quelque chose d'assez incohérent à donner des bonus environnementaux à des véhicules produits dans des conditions environnementales qui n'étaient pas satisfaisantes, voire dégradées. Et je suggère vivement que nous poursuivions dans cette voie-là dans les mois à venir pour définir ce que j'appelle un contenu industriel européen aux aides qui sont apportées à l'industrie. Merci, Monsieur le Président. J'aurais dû commencer par là avant ma première intervention pour vous dire que je souhaitais respecter une tradition à la Commission des finances et que j'ai donc amené une spécialité du territoire qui est chère à mon cœur. Vous ne serez pas surpris, il s'agit des cannelés qui doivent quelque part être à l'entrée. Ça sera à la fin de la DG. Voilà. Ah oui, à la fin de la DG. Bon. Non, ça ne sera pas du vin. Vous voulez avoir Bon, j'en reviens quand même à vos questions, Monsieur le Président. Je ne voulais pas distraire complètement la Commission des finances. C'est raté. Ça fait une petite respiration, cela dit. Bon, sur les sujets, les questions, je voulais revenir notamment sur Monsieur le Président. Je vois qu'on a dissipé... C'est vous, Monsieur. Oui, je ne vous en fais pas le reproche, Monsieur le Président. Sur le financement de la transition écologique... On ne peut pas comparer les 7 milliards de l'État aux 30 ou 35 milliards de la part publique du rapport de Jean Pisani-Ferry. Le financement public de la transition écologique, ce n'est pas que l'État. C'est les collectivités territoriales, c'est un certain nombre de dispositifs, les CDE, la responsabilité élargie du producteur. On a un ensemble de dispositifs à remettre en perspective et c'est la raison pour laquelle je pense que la trajectoire pluriannuelle sur le financement de la transition écologique nous permettra d'y voir plus clair et d'avoir un débat, je trouve, plus éclairé sur ce sujet-là. Sur la question des plus riches, quand même, Monsieur Coquerel, qui ne contribuerait pas assez, je voudrais juste attirer l'attention sur un point. Nous avons indexé le barème de l'impôt sur le revenu à l'exception de la contribution sur les hauts revenus. À l'exception de la contribution sur les hauts revenus, qui sont déjà... largement mis à contribution. Et je le dis, c'est probablement, il faut qu'on aille dans le détail, probablement plus d'un milliard d'euros. Donc ne dites pas qu'on ne leur demande pas un effort supplémentaire. Ce n'est pas vrai. Sur votre question sur la taxe sur les infrastructures, les gestionnaires d'infrastructures, elle se répartirait, en fonction de la situation financière, entre 500 millions pour les sociétés d'autoroutes et 100 millions d'euros pour les aéroports. Sur la question de la réforme de la redevance sur la consommation d'eau potable. Vous savez que dans le cadre des assises de l'eau, nous avons proposé, c'est l'article 16 du PLF, une réforme très importante des redevances, en fait de plusieurs redevances. Les actuelles redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte vont être remplacées par une nouvelle redevance sur la consommation d'eau potable, qui va concerner aussi bien les particuliers que les entreprises. Mais vous avez aussi les redevances pour la performance des réseaux d'eau potable, d'une part, et des systèmes d'assainissement collectif, d'autre part, afin d'inciter à la diminution des fuites et à l'amélioration du traitement. Et enfin, la redevance pour prélèvement, elle est réformée selon le principe du préleveur-payeur, avec un rendement d'à peu près 132 millions d'euros, entre le secteur de l'énergie, 100 millions d'euros, l'agriculture, 10 millions d'euros, et l'industrie, 30 millions d'euros. Cette réforme, elle rééquilibre les efforts entre les ménages et les autres consommateurs d'eau. La réforme proposée, elle est donc neutre pour les ménages, et les comités de bassin pourront ensuite s'en emparer en 2024 pour ajuster leur tarification en fonction des besoins du plan eau. Et enfin, nous travaillons avec les collectivités pour leur permettre de mettre en place une tarification sociale de l'eau, puisque c'est un sujet sur lequel elle souhaite pouvoir avancer. Sur la question de Jean-René Cazeneuve, sur la mise en réserve et les moyens de régulation, ce sont des dispositifs très importants pour nous. Dès 2024, on va augmenter le taux de mise en réserve en le passant de 3,5 à 4%.
Et je rappelle que ce taux de mise en réserve ne s'applique ni aux dépenses de personnel, naturellement, ni aux dépenses de prestations sociales. Nous gèlerons ainsi 9,4 milliards d'euros de crédits de paiement au début de l'année 2024. On pourra, en cours d'année 2024, utiliser d'autres moyens de régulation. Vous le savez, certains des dispositifs qu'on a utilisés en 2023, j'en cite un en particulier, le surgel des crédits qui a eu lieu en courant d'année sur 1% des crédits qui avait permis de mettre en réserve 1,6 milliard d'euros. Et je le dis dans le prolongement du surgel, ça nous avait permis d'annuler un décret que nous avons pris très récemment, 5 milliards d'euros de crédits sur le périmètre du ministère de l'Économie et des Finances pour s'assurer que ces crédits n'étaient pas recyclés vers d'autres dépenses et tenir notre trajectoire 2023. Sur les objectifs chiffrés, notamment en matière de lutte contre la fraude, vous avez raison d'insister sur le fait que ce projet de loi de finances, il apporte des évolutions très significatives pour en améliorer l'efficacité. Nous ne fixons en fait jamais d'objectifs parce qu'ils sont difficiles à fixer. Nous allons installer un comité d'évaluation des fraudes le 10 octobre avec des spécialistes, des universitaires, des experts pour mieux chiffrer le montant de la fraude fiscale et sociale. Mais un point, la dernière loi fraude, elle nous avait permis d'augmenter les droits recouvrés de 9 milliards à 11 milliards. Donc on est confiant sur le fait que le renforcement de l'arsenal nous permettra d'améliorer notre performance en la matière. Et enfin, les moyens, 1500 ETP supplémentaires dans les services du contrôle fiscal à Bercy, avec déjà une première marche dès 2024 de 250 emplois supplémentaires, mais également le doublement des effectifs d'officiers fiscaux judiciaires dans le cadre de la transformation du service d'enquête judiciaire fiscale en ONAF. Et puis, nous allons par parallélisme renforcer les effectifs dans le champ du contrôle de la lutte contre la fraude sociale à hauteur de 1 000 ETP dans les caisses de sécurité sociale. On n'est pas en train de débattre du PLFSS, mais je pense que c'est important de voir la cohérence d'ensemble de notre politique en la matière. Merci, Monsieur le ministre. Donc, en même temps qu'il y aura la libération des cannelés, on va passer aux orateurs de groupe. 2 minutes chacun, en commençant par Renaissance, Mathieu Lefèvre. Merci, Monsieur le Président, et merci, Messieurs les ministres, pour la présentation de ce budget qui est fait de choix forts et qui assume le sérieux, dans le fond, comme seul antidote à la double impasse du laxisme et de l'austérité. D'abord, il assume de poursuivre une politique économique qui marche. Les ministres l'ont rappelé, mais nous avons créé 2 millions d'emplois depuis 2017. Et nous n'avons pas vocation à changer une politique économique qui gagne. Le plein emploi a un prix, et ce prix, c'est la constance de notre politique économique et fiscale. Il assume aussi la fin de l'endettement de crise. Nous avons protégé les Français comme aucun autre pays, et nous avons évité de passer par la case récession. Cependant, cet endettement de crise, il est aujourd'hui incompatible avec la préservation de notre souveraineté européenne, quand on sait la divergence d'endettement dans la zone euro, ainsi que nous l'a rappelé le Haut Conseil des finances publiques. Et au fond, on ne peut pas s'alarmer de cette divergence et réclamer des mesures dispendieuses supplémentaires. Il assume aussi de refuser la double impasse des impôts et de la dette, l'un allant hélas trop souvent avec l'autre. Il assume également de réduire les dépenses inefficaces pour mettre le paquet sur les dépenses d'avenir et de sécurité. On rentrera dans le détail, mais c'est un budget historique pour l'école, c'est un budget historique pour la protection de nos concitoyens et c'est un budget historique pour la transition écologique. Il assume également, le ministre Cazenave a parlé de bouclier, c'est un véritable bouclier social qui est mis en œuvre avec l'indexation des retraites, des prestations sociales et de l'impôt sur le revenu, le tout pour un point de PIB, 25 milliards d'euros, c'est un effort absolument considérable. Et il l'assume tout en défendant l'idée qu'il faut partager le fardeau de l'inflation, considérant que l'État non seulement ne peut pas tout, mais ne doit pas tout, parce que l'État, mes chers collègues, c'est vous, c'est moi, et à la fin, c'est le contribuable qui doit payer. Enfin, il assume de mener des combats en européen. C'est ce qu'a fait le ministre Bruno Le Maire avec notamment la question de l'imposition pilier 2. Ce combat, si nous ne l'avions pas mené en européen, il ne serait pas arrivé à son terme et nous n'aurions pas aujourd'hui son résultat dans ce projet de loi de finances. Moi, j'ai une question sur le crédit d'impôt industrie verte, messieurs les ministres. Nous sommes aussi la majorité qui conjugue industrie et écologie. C'est un crédit d'impôt extrêmement important qui va permettre 23 milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans notre pays. Est-ce que vous pourriez nous détailler, messieurs les ministres, comment se vend-il cette répartition entre les différentes filières d'avenir qui sont concernées ? Merci. Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national.
Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, écoutez, 50 ans, en 2024, ce sera la 50e année que la France n'a pas de budget à l'équilibre. Je ne parle même pas, évidemment, d'excédent, faut pas rêver. Donc 50 ans, normalement, quand on sème, c'est les noces d'or. Et avec vous, à vous écoutant, c'est les noces de plomb. Voilà, ça fait 50 ans que l'arc de la raison, du haut de sa prétention de compétence, plombe les finances de la France, accumule de la dette, multiplie les impôts et ne sait plus contrôler les dépenses. J'ai une suggestion, monsieur le maire, pour vous, de nouveaux romans pour vos soirées d'hiver. Vous pourriez réécrire le mythe des tonneaux des Danaïdes ou du rocher de Sisyphe et réinventer, vous êtes une sorte d'incarnation de l'effort inutile, d'une malédiction qui fait que quand vous prétendez depuis 6 ans redécouvrir chaque année la trajectoire saine des finances publiques, chaque année vous remettez la France vers plus de dettes, vers plus d'endettement. Vous êtes débordé par la situation. L'année dernière, je vous avais dit, monsieur le ministre, que vous étiez comme un capitaine d'un radeau pris dans la tempête de l'hyperinflation, sans voile, sans gouvernail, ne sachant pas où il allait. Maintenant, la tempête se calme, vous découvrez l'état de votre radeau et vous écopez. Vous écopez à la petite semaine en essayant de réduire par-ci, par-là quelques dépenses, mais vous n'êtes même pas capable de sortir l'eau qui a débordé de votre plan contre l'hyperinflation. Et donc, vous ne réduisez même pas des dépenses exceptionnelles, une situation qui, selon vos termes, est redevenue normale. Donc, en fait, c'est assez cohérent. En fait, l'exception avec vous est la règle, à savoir que le désordre économique, le désordre fiscal est systématiquement la règle. Monsieur Macron a de la chance, puisque depuis dimanche, on sait que c'est monsieur Bricolage à l'Élysée, et il a trouvé de bons artisans à Bercy pour trouver des expédients, essayer de mener ses travaux, trouver 3 centimes par-ci, quelques euros par-là, et à la fin, on aura en 2027 un record du coût de l'endettement. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de questions, finalement, à vous poser. Face à un tel désastre. Ma seule question, c'est est-ce que vous allez faire perdre beaucoup de temps au Parlement ou est-ce que vous allez assumer de passer directement en 49.3, ce qui me permettra de passer sans doute à des textes plus intéressants comme l'immigration, qui est l'arlésienne de votre mandat. Emmanuel Bompard pour la France Insoumise. Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Vous nous présentez aujourd'hui un budget en nous disant que son défi premier et de lutter contre l'inflation. Mais pour lutter contre un mal, il faut d'abord en comprendre les ressorts. Le Fonds monétaire international nous dit aujourd'hui à l'échelle mondiale que plus de la moitié de l'inflation est due à l'augmentation des profits des grandes entreprises. Mais rien dans ce que vous nous proposez dans ce budget, rien dans votre action ne permet de casser cette boucle entre les prix et les profits. Vous prétendez, monsieur le ministre Le Maire, avoir obtenu des avancées historiques. Je pense qu'il suffit d'aller faire ses courses ou d'aller faire son plein pour voir à quel point vous n'avez rien obtenu du tout. Et la seule chose historique qui s'est déroulée l'année dernière, c'est le record historique de versement des dividendes des grandes entreprises et les résultats historiques qui ont été faits par un certain nombre de profiteurs de crise. Dans votre discussion tout à l'heure, vous écartez avec ironie et mauvaise foi des mesures de contrainte vis-à-vis des industriels. J'ai été ravi d'apprendre que vous êtes donc ministre de l'Union soviétique, puisqu'il y a quelques semaines de ça, vous avez décidé de bloquer le prix de vente de bouteilles d'eau à Mayotte sans que ça ne produise les pénuries dont vous venez de parler. Quant à faire croire que des mesures de blocage des prix reposeraient sur nos agriculteurs, ça en serait presque risible si ce n'est pas dramatique, puisque 70% les marges de l'agroalimentaire ont augmenté en 2 ans de 70%. Et c'est donc bien sur ça qu'il faut attaquer. Mais vous refusez toutes ces mesures contraignantes et vous préférez distribuer un mini-chèque qui va permettre au maximum de faire un plein d'essence dans l'année. Bref, vous abandonnez encore une fois les Français qui sont condamnés à continuer à alimenter les profits des grandes entreprises. Vous avez demandé tout à l'heure... vous avez dit que les oppositions ne proposaient pas de recettes, donc je vais en faire ici, et je vous demande de les noter, puisque à chaque fois vous dites que vous ne faites pas de propositions de recettes, donc si vous pouvez les noter, s'il vous plaît. Nous vous proposons de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, nous vous proposons de mettre en place une véritable taxe sur les superprofits, nous vous proposons de remettre en cause la suppression de la CVAE qui va encore coûter plusieurs milliards d'euros aux finances publiques, et nous vous proposons d'introduire enfin, comme l'a demandé le Haut Conseil pour le climat, un conditionnement social et écologique des 200 milliards d'aides public accordé par l'État aux entreprises. Voilà. Merci. Des propositions de recettes. Est-ce que vous comptez y donner suite ? Merci. Véronique Louwagie pour Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres, pour cette présentation. Merci, Monsieur le ministre Thomas Cazenave, pour les gourmandises que vous nous avez apportées de Bordeaux. Deux remarques qui sont des regrets avant de passer aux questions.
un premier regret, puisque vous nous avez parlé finalement de vouloir redonner du pouvoir d'achat aux Français, monsieur le ministre. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut diminuer les prélèvements obligatoires, ce que vous ne faites aucunement. Parce que finalement, ce sont ces prélèvements obligatoires aujourd'hui qui pénalisent les ménages et les entreprises. J'en veux pour preuve la croissance spontanée de 3% que vous inscrivez au niveau des prélèvements obligatoires qui nous les mettront à 1 241 milliards. Un deuxième regret également sur les dépenses. Vous nous présentez effectivement, monsieur le ministre Cazeneuve, vous avez parlé d'une baisse historique des dépenses. Mais en fait, dans cette baisse historique des dépenses de 16 milliards, il n'y a pas de diminution des dépenses structurelles. D'ailleurs, preuve en est, vous parlez tout de suite de 2025 parce qu'effectivement, vous aurez une difficulté en 2025 et c'est un regret que nous avons. Une première question, et j'invite tous mes collègues à se joindre à moi. Le gouvernement publie depuis quelque temps l'ensemble des avis rendus par le Conseil d'État sur l'ensemble des projets de loi, sauf pour les textes financiers. J'avais déposé un amendement en 2021 lors de la révision de la LOLF. J'invite d'ailleurs le président de la Commission des finances à se joindre à cette demande. Messieurs les ministres, est-ce que vous acceptez de publier les avis des conseils d'État sur les textes financiers? Évidemment, votre refus ne contribuerait pas à faciliter les échanges que vous appelez de vos voeux. Une première question sur l'hypothèse de croissance. Vous évoquez une hypothèse de croissance d'1,4%. La Banque de France retient un taux de croissance de 0,9 points. Quel serait l'impact en termes de déficit de cet écart de croissance? Une deuxième question sur l'hypothèse de baisse du taux d'épargne de 0,4% que vous intégrez dans ce PLF. Il semblerait que toutes les hypothèses ayant un impact favorable sur ce niveau d'épargne devraient converger dans le même sens. Est-ce que véritablement nous pouvons être sûrs de cette situation? Et une dernière question qui concerne l'article 7 qui prévoit la création d'un nouveau dispositif France Rurale Revitalisation, un dispositif qui va prendre le relais derrière les zonages, notamment ZRR. Est-ce que vous pouvez nous donner les impacts et la liste des communes avec l'impact pour l'ensemble de ces communes? Je vous remercie. Merci. Marina Ferrari pour le groupe démocrate. Il faut éteindre votre micro, Véronique. Merci. Merci, Président. Alors, ce qui est terrible quand on passe en dernier, c'est que beaucoup de choses ont été dites, mais ça me permettra d'enfoncer le clou. Alors, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, n'en déplaise à celles et ceux qui voudraient nous faire croire que ce PLF est un PLF d'austérité, ce budget est avant tout un budget déterminé et équilibré. Déterminé à soutenir nos concitoyens face à l'inflation, déterminé à poursuivre notre politique de soutien à l'économie qui continue de porter ses fruits, déterminé à rétablir l'État dans ses missions régaliennes, santé, éducation, justice, sécurité, défense, déterminé à soutenir l'investissement public qui est le moteur de notre croissance, déterminé à réduire notre endettement et notre déficit public qui est une responsabilité morale impérieuse vis-à-vis des générations futures et qui est, vous le savez, une responsabilité chère à notre famille politique. Déterminé enfin à accélérer notre transition écologique et énergétique, cruciale pour notre avenir. Ce budget est également équilibré puisqu'il repose à la fois sur des économies et sur un recentrage et une augmentation de nos dépenses publiques sur les actions prioritaires. Pour réussir, nous devons cependant aller plus loin en matière de responsabilité en accélérant la revue des dépenses publiques en concertation étroite entre l'État, les collectivités et les organismes de sécurité sociale. En matière de santé, la prévention devra être au cœur de notre action. Il nous faut également adapter notre fiscalité au nouveau contexte. En ce sens, la transposition de l'accord OCDE sur l'imposition minimale des grandes entreprises, qui est inscrite dans le texte, est historique. Le gouvernement est-il prêt à poursuivre cette adaptation de notre fiscalité? Enfin, ce budget devrait, de notre point de vue, permettre d'apporter des premières réponses à la crise du logement sans pour autant prétendre la résoudre. Nous regrettons la réduction d'ambition du PTZ et nous aurons des propositions en la matière. De plus, au-delà du sujet des plateformes qui fait couler beaucoup d'encre et qui n'est qu'une toute petite partie du sujet, est-ce que le gouvernement est prêt à travailler sur une réforme systémique pour le logement, sur la question des plus-values immobilières ou sur la création d'un véritable statut de l'investisseur immobilier que nous appelons de nos voeux? Je vous remercie. Merci. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les ministres, pour votre présentation. Monsieur le ministre Le Maire, un recul de l'inflation, ça signifie quand même de l'inflation. 5,2 en 2022, 4,9 en 2023, soit en deux ans plus de 10%. Et j'ajoute que les bolcheviks du FMI écrivent que la moitié de l'inflation est due à l'avidité des entreprises. Alors je vous le dis, les Français se moquent de savoir si nos voisins ont moins d'inflation. Ce qu'ils veulent, c'est manger à leur faim et vivre de leur travail ou de leur retraite, ce qui n'est pas le cas. Et je ne vois pas dans ce PLF les mesures du pouvoir de vivre.
J'en viens à quelques questions et de remerciements. Merci, car j'ai entendu Monsieur Cazenave que l'expérimentation du dispositif des aviseurs fiscaux pour les manquements supérieurs à 100 000 euros serait pérennisée et que les enquêteurs pourraient travailler sous alias. Confirmez-vous que j'ai bien entendu? Mais aussi, merci Monsieur le maire, car j'ai entendu une ouverture dans le PTZ. Mais êtes-vous prêt à revenir sur le zonage absurde entre zones tendues et détendues dans certains cas? Et pouvons-nous avancer réellement pour que les logements nus soient traités à minima comme des logements meublés en harmonisant les taux de fiscalité, mais aussi les plafonds? Sur les économies, l'opposition ne ferait pas de propositions. Nous en faisons, et depuis longtemps, Monsieur le ministre, sur les niches fiscales, sur les niches sociales, et sur la base de rapports et d'expertises sérieuses, puisqu'ils émanent de France Stratégie, de la Cour des comptes, du CAE, encore faut-il nous entendre. Un exemple, passer en 8 ans de 2 à 7 milliards de dépenses avec le crédit d'impôt recherche sans vouloir plafonner est irresponsable quand on est ministre du budget, surtout quand l'efficience n'est pas toujours au rendez-vous. Autre point, j'ai remis un rapport, comme vous le savez, messieurs les ministres, sur le reste à charge en EHPAD, où je documente précisément le constat suivant. 76% des résidents n'ont pas de revenus mensuels suffisants pour payer leur gîte et leur couvert en EHPAD. C'est honteux, c'est inadmissible, et j'aurai évidemment des propositions issues de ce rapport pour qu'à minima, les classes populaires et les classes moyennes puissent être aidés. Je vous remercie. Merci. Lise Magnier pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres, pour votre présentation de ce PLF 2024. Alors, notre groupe, évidemment, partage pleinement les priorités de ce budget. La poursuite de l'investissement dans la transition écologique et le renforcement substantiel des crédits alloués au ministère régalien et à l'Éducation nationale, tout en respectant la trajectoire de rétablissement des finances publiques. Alors nous n'avons bien sûr pas encore eu le temps d'examiner le texte en détail, mais je veux souligner quelques articles qui me paraissent particulièrement intéressants. D'abord l'article 2, qui permet l'indexation du barème de l'IR sur l'inflation pour protéger les Français et ainsi permettre aux Français qui travaillent de ne pas voir leurs impôts augmenter. Je citerai également l'article 5, qui crée le crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte. On y voit là un excellent signal envoyé pour la réindustrialisation de la France via l'industrie verte, ou encore l'article 4 qui transpose l'accord mondial sur l'imposition minimum des multinationales. C'est une grande avancée pour plus de justice fiscale et une meilleure fiscalisation des grands groupes. Et je sais que nous vous devons beaucoup, Monsieur le ministre Le Maire, sur ce sujet. Ma première question, d'ailleurs, concerne cet article 4. Messieurs les ministres, pouvez-vous nous confirmer que les coopératives agricoles françaises n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ? Ma deuxième question porte sur l'article 14, qui prévoit le renforcement de la fiscalité applicable aux véhicules selon leur niveau de pollution. Je n'ai pas lu ou pas vu, peut-être, en revanche, un renforcement des aides à la conversion ou des mesures semblables pour aider les Français, effectivement, dans le changement de leurs véhicules. Enfin, ma dernière question, messieurs les ministres, porte sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, fixé à un peu plus de 21 milliards d'euros pour 2024 contre près de 25 milliards d'euros en 2023. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette baisse substantielle ? Je vous remercie. Merci. Charles de Courson pour le... Nicolas Sansu... Non, Christine Arrigui, décidément. Si je m'en prends à la NUPES, ça ne va pas aller du tout. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Après ces hésitations, messieurs les ministres. Alors, ce projet de loi de finances arrive dans un contexte particulièrement tendu. Tendu pour nos concitoyens et surtout les plus précaires qui subissent de plein fouet l'impact de l'inflation ainsi que les effets du réchauffement climatique. Tendu pour nos collectivités territoriales devenues de toute évidence la variable d'ajustement du gouvernement. Alors du rapide examen du projet de loi de finances qui nous a été communiqué ce matin pour une discussion cet après-midi, il apparaît qu'après la valse des milliards et des millions qui ont saturé l'espace médiatique depuis plus de 6 mois, nous voici confrontés à la vérité des prix et de vos engagements réels. Et hélas, le compte n'y est pas, ni pour la planification écologique, ni pour le soutien des plus précaires face aux ravages de l'inflation, pas davantage pour les collectivités. Alors, deux exemples. L'annonce présidentielle d'un grand plan de rénovation des écoles par un abondement de 500 millions d'autorisations d'engagement, pas de crédit de paiement, mais autorisations d'engagement sur le fonds vert,
avec un objectif de 2000 écoles rénovées dès 2024 pour répondre au cap collectif de 41 000 établissements rénovés en 10 ans. Or, savez-vous, monsieur le ministre, combien coûte la rénovation du groupe scolaire Rangueil sur ma circonscription ? 12 400 000 euros. Et celle d'une plus petite école qui s'appelle Paulbert, comme ça vous pourrez vérifier, 2 300 000 euros. Autre exemple, toujours sur la base d'une parole présidentielle du mois de décembre 2020, celui d'un engagement fort de l'État pour le développement des services express régionaux métropolitains. Une évaluation de la SNCF et des collectivités territoriales porte ces opérations à 1 milliard par opération. À ce jour, devait être débloqué 800 millions pour des études dans le cadre des CPER, dont nous découvrons aujourd'hui qu'ils ont été ramenés à 700, sans se sont échappés, on ne sait pas où. Alors, le Haut Conseil des finances publiques s'est montré particulièrement prudent s'agissant de vos évaluations, et il avait raison. Visiblement, vous avez de nouveau raté le coche. Des solutions existent pourtant pour ramener le déficit public au niveau des exigences européennes. Mettez en place des mesures d'économie structurelle telles que la fin des niches fiscales néfastes au climat. Arrêtez les soutiens aux projets d'énergie fossile et à l'échelle européenne. Sortez du « en même temps » et n'empêchez pas ce que vous venez de faire exactement en ce moment, un durcissement des normes de pollution sur les gaz d'échappement des voitures particulières. Merci. Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, à écouter vos propos, je ne comprends pas l'ingratitude des Français, qui affichent au mieux leur scepticisme, au pire leur hostilité. Et pourtant, nos compatriotes ont bien raison. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre est en berne pour trop de nos concitoyens, particulièrement des couches modestes et moyennes. Une étude vient de confirmer que le salaire moyen aura perdu en 3 ans 0,5% de pouvoir d'achat, que les retraites du régime général auront perdu 2,7% en 3 ans, et le RSA et les prestations familiales auront perdu 3,2%. Alors vous pouvez vous délivrer des brevets d'autosatisfaction, tant et plus, nos concitoyens n'en peuvent plus de l'énergie chère, des prix des denrées alimentaires qui flambent, d'un prix à la pompe qui ne cesse de monter. Or, dans les mesures de votre projet de loi de finances pour 2024, rien ne vient réellement et concrètement contrebalancer cette spirale de perte de pouvoir d'achat. Rappelez-vous d'ailleurs, en prenant juste la mesure sur l'essence, que pour 2023, vous aviez proposé de faire 300 euros pour les 3 premiers déciles, 200 euros pour les 2 premiers déciles, et aujourd'hui, vous vous contentez de 100 euros pour tout le monde, pour celles et ceux qui travaillent, comme si les retraités qui emmenaient leurs petits-enfants à l'école ou au sport n'avaient pas droit à cette mesure. Nous aurons bien entendu, si la fièvre du PLF n'atteint pas trop vite 49 degrés 3, des propositions pour une architecture fiscale qui remette plus de progressivité, qui assoie des prélèvements sur les richesses indécentes, comme cela a été démontré par le rapport que nous avons commis conjointement avec Jean-Paul Mattei. Nous porterons des propositions en ce sens pour favoriser notamment les investissements permettant de répondre à l'urgence climatique. Et il n'est pas entendable que l'on nous répète l'ancienne de la stabilité des dispositifs fiscaux pour refuser de prendre en compte des réalités qui bougent. Il n'y a pas de consentement à l'impôt si l'esprit et la lettre de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens sur les contributions selon les facultés respectives ne sont pas respectés. C'est cela. J'ai pour finir 3 remarques précises. Sur le logement, vous avez dit beaucoup de choses, mais j'ai une question très précise. L'extinction du PNL sera-t-il redéployé pour préserver et étendre le PTZ ? 2, dans le cadre de la transition écologique et pour favoriser les mobilités douces, ne serait-il pas opportun de permettre un accroissement du versement mobilité comme cela semble être le cas pour le STIF ? Et enfin, pour les agences de l'eau, au-delà de la réforme des redevances, prenez-vous l'engagement de ne pas divertir une part des ressources vers le budget général ? Merci. Charles de Courson pour le groupe IOT. 3 petites questions, messieurs les ministres. Première question, est-ce que vous partagez l'avis du Haut Conseil des finances publiques selon lequel vos prévisions sont optimistes et que la probabilité que toutes vos prévisions se réalisent est faible ? Deuxième question, d'après le Haut Conseil des finances publiques, la croissance des dépenses publiques hors dépenses liées à la crise sanitaire et au coût des mesures liées à l'inflation et aux dépenses de relance est estimée en 2023 à 5,4% en valeur et 0,5% en volume, et non pas en baisse, alors que la croissance du PIB est de l'ordre de 1% en volume. Et en 2024, d'après le Haut Conseil, la hausse est de 4,8% en valeur et de 2,2% en volume, soit beaucoup plus que la croissance du PIB estimée, que vous estimez à 1,4%.
Et pensez-vous qu'une telle croissance est compatible avec le redressement des finances publiques? Et puis, dernière question, où sont les économies dans le projet de loi de finances pour 2024? Et pourquoi repoussez-vous à 2025 les 12 milliards d'économies dont personne ne connaît le contenu? Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je ne reviens pas sur les propos de Mathieu Lefebvre, que je remercie de son appréciation sur la politique économique du gouvernement qui fonctionne, que je partage. Un mot simplement sur le crédit impôt industrie verte. Nous sommes, je le redis, le premier État européen à mettre en place un crédit d'impôt sur le modèle de l'Inflation Reduction Act mis en place par M. Biden aux États-Unis. Nous sommes à un moment géopolitique où toutes les chaînes de valeur sont en cours de réorganisation. C'est le moment d'investir sur l'industrie verte. Et nous ne ferons venir à nous les usines de batteries électriques, d'anode et de cathode, d'hydrogène vert, de pales d'éoliennes ou de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, que si nous offrons des conditions parmi les plus attractives. Nous sommes déjà, j'aurai l'occasion d'y revenir en réponse aux remarques de M. Tanguy, la nation la plus attractive en Europe pour les investissements étrangers. En rajoutant ce crédit d'impôt, nous doublons les chances d'avoir des investisseurs qui viennent en France ouvrir des usines et des postes d'ouvriers. Ces crédits d'impôt industrie verte doivent financer une soixantaine de projets à hauteur de 23 milliards d'euros d'investissement total en France. Ce crédit d'impôt représente un coût de 3,7 milliards coûts budgétaires directs d'ici 2030. 2,5 milliards d'euros pour les batteries électriques. Vous voyez bien que dans le nord de la France, notamment dans la région du Dunkerquois, nous sommes en train de créer un des plus grands pôles européens de batteries électriques. 500 millions d'euros sur les panneaux photovoltaïques. 500 millions d'euros sur l'éolien et 100 millions d'euros sur les pompes à chaleur, même si cela montera en puissance à la suite des annonces du président de la République. L'objectif est bien, à partir de maintenant, de développer les nouvelles filières industrielles liées à l'industrie verte. Je pense que nous avons aujourd'hui tous les atouts de notre côté. Monsieur Tanguy, sur le fait que nous n'ayons pas de budget à l'équilibre, je vous répondrai que ce ne sera certainement pas grâce à vos propositions que nous y parviendrons, puisque toutes les propositions du Rassemblement national ne font que creuser davantage les dépenses publiques et les déficits. Vous proposez de supprimer la TVA sur les carburants, 10 milliards d'euros. Vous proposez d'abaisser l'âge légal de départ à la retraite, 20 milliards d'euros. Vous proposez d'exonérer d'impôts les jeunes. Ça représente, suivant le calibrage qu'on retient de la mesure, de l'ordre de 10 milliards d'euros. J'en suis déjà à 40 milliards d'euros de dépenses, donc vous faites couler un peu plus vite le bateau et vous ne garantissez certainement pas un retour à l'équilibre. Quant au mot de radeau que vous employez pour décrire la France, c'est un mot qui ne me convient pas. Pour moi, la France est davantage un paquebot solide, puissant qu'un radeau, mais je vous laisse la paternité de ce terme. Je rappelle qu'en France, nous approchons du plein emploi, qu'en France, nous avons créé 2 millions d'emplois, qu'en France, nous avons ouvert 300 usines. Et si le paquebot était si peu attirant que cela, il ne serait pas devenu celui sur lequel tous les investisseurs étrangers veulent s'embarquer en priorité aujourd'hui. Monsieur Bompard, je réponds à votre remarque comme à celle qu'a faite Madame Pires-Beaune. Vous n'avez pas lu attentivement le rapport du FMI. Parce que le rapport du FMI, il indique que l'inflation vient des profits en zone euro, à l'exception de la France. Et c'est étonnant quand vous lisez qu'une partie du rapport. Justement, en France, la répartition capital-travail, c'est une des grandes caractéristiques de la France, elle est restée stable au cours des années passées. Et quand il y a eu des profits, vous nous aviez indiqué sur le généticien qu'il était nécessaire de capter cette rente, nous l'avons fait. Le résultat, c'est que le FMI établit très clairement que ce qui nourrit l'inflation dans certains pays développés, ben ça ne le fait pas en France, précisément en raison de notre politique redistributive.
Quant à vos propositions, savoir que j'y donnerai suite, je préfère être très clair avec vous tout de suite, que ce soit sur le rétablissement de l'ISF, le renoncement à baisse d'impôts de production ou le renoncement à la suppression de la CVAE, cette majorité ne donnera pas suite à vos propositions. Je préfère le dire clairement pour éviter les déceptions au moment du débat. Véronique Louwagie, vous dites que dans les 16 milliards d'euros, il n'y a pas de baisse structurelle. Il y a l'entrée en vigueur de baisses qui sont structurelles. Je pense en particulier à la réforme de l'assurance chômage. Et puis je pense à vos propositions. Vous avez faites dans l'excellent rapport que vous avez produit avec le député Robin Reda. Nous sommes prêts à reprendre vos propositions qui sont structurelles sur l'efficacité de la dépense publique. Sur la publication des avis du Conseil d'État, je ne vous cache pas que je suis réservé, car je pense qu'il y a un risque d'affaiblissement de l'État sur les contentieux fiscaux en cours. Donc, je vous ai regardé la proposition de près, j'ai une petite réserve. Sur la croissance, je réponds à Véronique Louwagie, mais à tous les députés qui m'ont interrogé sur le chiffre de croissance. Moi, je veux juste rappeler deux choses. La première, c'est que notre prévision est en ligne avec les prévisions de l'OCDE et du FMI, 1,2 et 1,3% respectivement. Et vous faites référence à la prévision de la Banque de France. Je rappelle que l'estimation basse de la Banque de France pour la croissance 2023 en France était de moins 0,5. Nous faisons 1. C'est un écart d'1,5 par rapport à la prévision basse de la Banque de France. C'est un simple constat. Et cela m'amène à penser que notre prévision de croissance pour 2024 est réaliste et qu'elle est sincère. S'agissant du taux d'épargne, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est un des éléments absolument déterminants de la croissance pour 2024. La singularité de la croissance au deuxième trimestre 2023, c'est qu'elle a été tirée pour la première fois par les exportations de biens manufacturiers, l'aéronautique, et pour la première fois depuis très longtemps, et j'en félicite EDF et tous les agents d'EDF, l'exportation d'électricité produite par EDF avec le retour de nos réacteurs nucléaires. Le moteur qui aujourd'hui est à l'arrêt, c'est la consommation, à cause de l'inflation, des inquiétudes, et parce que le taux d'épargne a explosé, il n'a jamais été aussi élevé en France, il est passé de 15 à 19%. L'encours du livret A a augmenté de 2,5 milliards d'euros pour le seul mois d'août. Donc un des enjeux majeurs de la croissance 2024, c'est de rassurer nos compatriotes sur notre politique économique et sur la baisse des impôts et la sortie de la spirale inflationniste pour qu'ils se remettent à consommer. Et pourquoi j'insiste avec Thomas Cazenave avec autant de fermeté sur la stabilité de notre politique économique, sur les impôts, sur la confiance? C'est que s'il y a le moindre doute sur la stabilité de notre politique économique, vous ne rallumerez pas le moteur de la consommation. Or, nous voulons rallumer le moteur de la consommation. Marina Ferrari, je voudrais répondre à votre question ainsi qu'à celle de Christine Pires-Beaune sur le logement. Je le redis, je partage l'évaluation qui a été faite par le président de la Commission des finances, par un certain nombre d'entre vous, sur la crise du logement et l'urgence qu'il y a à prendre un certain nombre de décisions. Je le dis vraiment avec sincérité, avec mes convictions. Sur le PTZ, nous avions décidé de restreindre son accès. Je vais répondre très précisément à Mme Pires-Beaune. Est-ce que nous sommes prêts à revoir le barème du prêt à taux zéro? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à revoir le zonage du prêt à taux zéro? Oui. Donc nous sommes prêts à prendre des décisions structurelles face à la crise du logement pour apporter des réponses immédiates aux primo-accédants. Est-ce qu'il faut revoir les règles sur le logement nu et le logement meublé? Je dis attention, car le risque de faire des centaines de milliers de perdants est très élevé. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder les choses de près avant de s'engager. Mais je vous le dis, nous sommes ouverts sur cette question du prêt à taux zéro, car j'ai parfaitement conscience que parmi les réponses immédiates qui sont à notre disposition, il n'y en a pas des dizaines, et celle-là en fait partie, donc elle mérite d'être regardée. Quant aux EHPAD, je connais votre combat sur le sujet, je le salue, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion du débat parlementaire. Lise Magnier, sur l'imposition minimale sur les coopératives agricoles. Je rappelle qu'il y a une règle qui a été fixée sur l'imposition minimale, c'est qu'elle concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, apprécié sur une période pluriannuelle pour éviter les effets de seuil, mais sans distinction du type d'activité. C'est le choix qui a été fait en
réaction aux remarques qui avaient été faites sur la taxation sur les GAFA. Par conséquent, les coopératives fiscales devraient être dans le champ de cette imposition minimale. Je sais naturellement que ces coopératives agricoles bénéficient d'un régime fiscal à l'impôt très favorable en France, qui s'explique par un souhait parfaitement légitime et que je défends, de traiter et d'accompagner le mieux possible le monde agricole. Donc nous avons ouvert les discussions avec les coopératives pour trouver le meilleur chemin qui doit permettre de concilier cet avantage historique dont bénéficient les coopératives et la mise en place de cette imposition minimale à l'IS. Je vous invite à participer à ces discussions. Vous êtes là, bienvenue. Christine Arrigui, je pense que Thomas vous répondra sur la rénovation des écoles. Nicolas Sansu, sur les remarques que vous avez faites sur l'énergie chère, moi je veux juste rappeler que nous avons mis en place ce bouclier sur le gaz, ce bouclier sur l'électricité, qui a représenté des économies de plusieurs centaines d'euros par mois pour nos compatriotes sur la facture d'électricité. Enfin, Charles de Courson, j'ai répondu sur les prévisions de croissance. Je veux juste répondre sur un sujet un tout petit peu plus général et très rapidement, parce que je partage là aussi votre évaluation, sur le niveau de croissance en Europe. Parce que dans le fond, la vraie difficulté structurelle, ce n'est pas le niveau de croissance en France, c'est le niveau de croissance dans la zone euro. Personne ne peut se satisfaire d'avoir un niveau de croissance aussi faible dans la zone euro. Au moment où les États-Unis affichent un redémarrage économique extraordinairement dynamique, où l'Asie garde des taux de croissance qui sont élevés, la zone euro vivote. Mais c'est insupportable. Personne ne peut se résigner à ça. Quel est le problème de la zone euro? C'est la faiblesse des gains de productivité depuis plusieurs années. Mais il faut prendre à bras le corps ce sujet, continuer à investir, innover collectivement et traiter la question des gains de productivité qui passe par une réflexion approfondie sur nos systèmes éducatifs, nos systèmes de formation et de qualification. En tout cas, personne ne peut se satisfaire d'avoir autant d'États de la zone euro en récession et les autres avaient une croissance faible. Merci. Thomas Cazenave. Merci, Monsieur le Président. En complément, je voudrais quand même redire à Jean-Philippe Tanguy que nous sommes vus dans les cadres du dialogue de Bercy, que nous avons demandé à chacun des groupes d'arriver avec des économies, et hormis le changement de politique monétaire qui ne relève pas du PLF, vous n'avez esquissé aucune proposition concrète d'économie. Je souhaitais vous le redire. Madame, vous pouvez toujours dire n'importe quoi, mais c'est la stricte réalité. Madame Louvagie, Véronique Louvagie, pour vous répondre sur la réforme du zonage rural, proposons, vous verrez dans le projet de loi de finances, on fusionne trois types de zonage existants qui arrivaient à échéance fin d'année, vous le savez, les ZRR, les BER et les ORCOMIR, afin de renforcer leur lisibilité et de soutenir plus efficacement le développement économique des territoires. Ils sont remplacés par un nouveau zonage qui s'appelle France Ruralité Revitalisation, qui sera décliné en deux niveaux, un niveau socle qui concernera 14 000 communes et un niveau renforcé sur 4 000 communes, en gardant le même champ d'activité éligible, je le dis, y compris les médecins, parce que ça faisait partie des questions notamment évoquées par les parlementaires. Les exonérations fiscales seront simplifiées et amplifiées et le système sera dans l'ensemble simplifié. Nous, on peut s'engager à vous transmettre dès que possible, c'était, je crois, le sens de votre question, la liste des communes intégrant donc le FRR. Sur les questions relatives, Madame Christine Pires-Bonne, je peux vous confirmer deux choses. Oui, nous sommes favorables à la généralisation de l'expérimentation sur les aviseurs fiscaux, qui n'est pas dans le texte initial. Nous comptons bien dans le dialogue parlementaire, par voie d'amendement. Les groupes qui voudront le défendre, nous soutiendrons ces amendements. De même que les agents de la Direction générale des finances publiques, et pas uniquement les agents des Direction générale des finances publiques, on regarde avec les douanes, pourront travailler sous alias aussi. Alors, à la fois, c'est la capacité à anonymiser leur travail dans des situations un peu difficiles, compliquées. Ça, c'est une disposition que vous retrouverez dans le PLF. Sur les EHPAD, lors de la remise de votre rapport à la Première ministre, elle a décidé de mettre en place un fonds d'urgence à destination des EHPAD de 100 millions d'euros. Et d'autre part, dans le PLFSS, il y a une expérimentation pour mettre sur pied d'autres modes de financement des EHPAD et qui me semble aller dans le sens d'une réforme structurelle
de financement de l'accompagnement du vieillissement. Lise Magnier, sur la question de la baisse du PSR-UE. En fait, en effet, il baisse dans le PLF 2024, vous allez avoir une baisse du prélèvement qui correspond, dans les faits, à un retard notable dans la mise en œuvre du programme porté par la Commission européenne, notamment en matière de politique de cohésion, qui se décaisse moins vite que ce qui était prévu initialement. Mais cette baisse est un peu en trompe-l'œil parce qu'on attend en 2025 un ressaut du PSR UE. Madame Arrigui, président de la République, en effet, fait de la rénovation des écoles un grand chantier. C'est la raison pour laquelle il y a 500 millions d'euros supplémentaires consacrés à cette question-là dans le PLF, mais qui n'épuise pas le financement public sur la rénovation des écoles. D'abord, je le redis, c'est quand même la responsabilité des collectivités territoriales qui y investissent. Et c'est comment ? On ne va pas se substituer aux collectivités territoriales. D'ailleurs, elles le prendraient très mal, je pense. La question, c'est comment on travaille avec elles ? Oui, on renforce le fonds vert pour qu'elles investissent davantage. Et d'autre part, la Caisse des dépôts porte un programme qui s'appelle EduRéno, doté de 2 milliards d'euros pour tenir ses engagements. Et enfin, je le dis ici, nous avons adopté à l'unanimité une loi sur le tiers-financement en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics qui trouve, si vous me permettez l'expression, un cas d'école parfait en termes de mise en œuvre. Et enfin, s'agissant des RER métropolitains, le président de la République n'a pas dit qu'il finançait l'ensemble des RER métropolitains. C'est un abondement dans la négociation sur les CPER entre les régions et l'État pour accélérer ce chantier. Merci. On a comme orateur supplémentaire pour une minute, je vous donne la liste, vous me dites s'il y en a d'autres, et on fait une motion de clôture. Xavier Roseren, Émilie Bonivard, Stella Dupont, Mohamed Lakhila, Daniel Labaronne. D'autres ? Monsieur Alizio, Franck Alizio. C'est bon ? Non, un autre. Monsieur Cambrelier. D'accord, pardon. C'est noté, Alizio. Ok, allez, on y va alors. Vraiment pas plus de minutes qu'il y en a un certain nombre. Xavier Roseren. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Ce budget 2024 est représentatif de notre responsabilité et des choix fiscaux et budgétaires que nous souhaitons faire. Je me félicite de la hausse des budgets prioritaires. 4 milliards d'euros dans l'armée, la police, la justice, la transition écologique à hauteur de 40 milliards avec 7 milliards d'euros supplémentaires et l'éducation 5,5 milliards. Messieurs les ministres, nous devons aller plus loin sur la baisse du déficit public conformément à notre trajectoire de dépenses d'ici 2027. La maîtrise de notre déficit public est prioritaire. Je souhaiterais juste attirer l'attention sur le logement. Un projet de loi sur le logement devrait être annoncé dans les mois à venir. Toutefois, je suis convaincu que nous devons faire des propositions fortes pour 2024 et 2025 dans nos PLF. Hier, nos collègues ont présenté les conclusions du rapport de la mission d'information sur la fiscalité du patrimoine et nous devons rééquilibrer la fiscalité entre les logements meublés et la location nue longue durée. Vous nous avez annoncé, Monsieur le ministre, vouloir supprimer l'abattement pour les meublés classés de tourisme. Messieurs les ministres, supprimer seulement cet abattement serait un mauvais signal pour le tourisme français et pour un gain très réduit. Merci. Il est nécessaire d'aller plus loin, revoir en profondeur la fiscalité de la location non meublée professionnelle. Et nous avons réussi à flat tax. Réussissons avec la fiscalité des meublés. Merci. Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Je tiens à souligner l'importance des moyens consacrés à la transition écologique. 7 milliards d'euros en crédit de paiement, 10 milliards en autorisation d'engagement. C'est significatif. Mais nous vous redisons, messieurs les ministres, notre attachement à une trajectoire budgétaire crédible face à la planification écologique présentée donc cette semaine. J'ai deux questions. Une question qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et la baisse de la taxe affectée à hauteur de 25 millions prévue dans ce PLF. Et la perspective d'une baisse supplémentaire les années à venir pour atteindre 100 millions d'euros, est-ce que vous pouvez me confirmer ces chiffres, ces données ?
Je crois qu'on a réformé sur la précédente législature le réseau. J'ai participé activement, mais on a réduit la voilure. Et je pense qu'on a besoin de ces outils sur l'ensemble de nos territoires, alors qu'on porte une stratégie de plein emploi, de développement de la formation, de l'apprentissage. Donc les CCI, je suis pour ma part très réservée à l'idée qu'on réduise de nouveau leurs moyens. Un prélèvement sur fonds de roulement est envisagé. Je lis cela. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et sur le logement, ça a été évoqué, donc je vais aller très vite. On a tous été alertés et on a maintenant des entreprises du secteur qui sont en difficulté, voire qui sont des défaillances qui se concrétisent. J'ai un point technique. Est-ce qu'il y a des mesures, d'éventuelles dispositions qui viseraient à encourager l'investissement locatif par des institutionnels de type SCPI dans le secteur du locatif intermédiaire ? Parce qu'on a un sujet sur toute la filière, sur tout le parcours du logement, mais y compris sur l'intermédiaire. Merci. Émilie Boniva. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, effectivement, moi, ma question portera également sur la question du logement, parce que je crois que nous attendons tous, les acteurs du BTP, à une crise majeure en 2024. Et donc, il faut qu'on arrive à réorienter ce sujet au cœur de ce PLF. On en est là aussi parce que c'est le résultat d'une politique depuis 6 ans très défavorable à la construction et au logement. Je rappelle que le gouvernement, dès 2017, a voulu réorienter les placements des Français vers les capitaux mobiliers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un revenu immobilier qui est prélevé à hauteur de 65%, quand c'est 30% avec le PFU. Vous ajoutez à cela la fin du Pinel, sans qu'on ait réussi à trouver un dispositif de substitution au Pinel. Nous sommes l'année prochaine face à une crise majeure due des capacités de logement et d'offres. Et nous ne répondrons pas à cette difficulté sans incitation fiscale, à mon avis, et uniquement avec la réhabilitation des logements. Donc voilà, moi je souhaite vraiment appeler votre attention là-dessus et je rejoins ce qu'a dit Rose Rennes sur l'hébergement touristique. Merci. On doit vraiment tenir la minute puisque les ministres doivent partir au Sénat. Donc si vous voulez avoir des réponses, Mohamed Lakhila. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, une question de mon collègue Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, qui déposera un amendement au PLF 2024. Compte tenu de l'importance croissante de la mobilité douce et de l'objectif de développement durable, soutiendrez-vous une modification de l'article L321-11 du Code de l'environnement visant à allouer une partie des recettes du droit départemental de passage à l'aménagement et à l'entretien des pistes cyclables en site propre pour les îles maritimes reliant le continent par un ouvrage d'art comme le pont qui relie l'île de Ré au continent ? Merci. Merci. Daniel Labaronne. Merci. S'agissant de la politique de logement, Monsieur le ministre, vous soulignez l'intérêt de construire là où nous avons besoin de logements. Or, ces besoins se situent aujourd'hui dans des territoires en réindustrialisation et qui ne sont pas forcément dans les zonages qui autorisent les logements locatifs, notamment intermédiaires. Je salue donc votre volonté d'engager une révision de ces zonages et je m'interroge sur les modalités de mise en œuvre de cette révision. Par ailleurs, vous proposez d'élargir l'accès au PTZ et de créer un prêt à taux bonifié. Mais ma question est la suivante. Ces deux initiatives seront-elles emboîtées, c'est-à-dire PTZ et taux bonifié, ou plutôt complémentaires, PTZ d'un côté, taux bonifié de l'autre? J'aurais souhaité des éclaircissements sur ces initiatives. Merci beaucoup. Franck Alizio. Monsieur le Président, messieurs les ministres. Après un septennat aux affaires, vous décidez enfin à vous attaquer, certes timidement, au problème majeur que constitue la fraude dans notre pays. Vol intolérable du fruit du travail de nos compatriotes, la fraude est d'autant plus inacceptable dans le pays de tous les records d'impôts où les prélèvements obligatoires captent plus de 45% de la richesse nationale. Et alors même que vous avez laissé filer les recettes fiscales supplémentaires dues à l'inflation. Certains parlent de cagnotte, ça rappellera des souvenirs, d'autres de profiteurs de crise ou d'inflation. Néanmoins, nous restons sans surprise sur notre faim, avec quelques mesures techniques qui ont le mérite d'exister, mais qui ne vont vraiment pas très loin. Nous notons tout de même avec une certaine satisfaction que vous avez repris deux mesures que nous avions proposées dans le cadre de notre proposition de loi de lutte contre la fraude déposée en avril dernier. La privation de droit aux réductions et crédits d'impôt pour les fraudeurs, dans une version certes édulcorée, et la lutte contre les pratiques abusives en matière de prix de transfert.
Aussi, nous soutiendrons ces mesures, nous en proposons d'autres. En attendant, notre question est simple. Est-ce là tout ce que vous avez à proposer ou est-ce que Gabriel Attal est-il parti avec les brouillons déjà peu prometteurs de vos mesures annoncées il y a quelques mois ? Dominique Da Silva. Oui, une subvention de 2,5 milliards d'euros est portée au crédit de l'opérateur France Compétences pour assurer, comme chaque année, l'équilibre financier d'une politique volontariste de l'apprentissage que nous assumons et qui vise à former 1 million d'apprentis de moins de 30 ans, comme s'y est engagé le président de la République. Je voudrais savoir quels sont les indicateurs qui ont conduit à calibrer la subvention à ce niveau-là et ne pensez-vous pas qu'il faille quand même regarder d'un peu plus près et dans le détail, le versement de ces aides pour que l'effort porte davantage sur les grandes entreprises, notamment, et les qualifications de niveau supérieur. Je vous remercie. Merci. François Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres, pour votre présentation. Moi, j'aurais une question sur le logement. Vous vous en doutez, l'économie de la construction aujourd'hui est en train de s'effondrer. Je voulais vous dire mes inquiétudes. 50% de la production du logement social est liée aux opérations mixtes menées par les promoteurs. Ils sont en train de disparaître, puisqu'en fait, les accès dans la propriété n'arrivent plus à accéder du fait de la remontée des taux. Les investisseurs, comme l'ont dit d'autres collègues, ont des rentabilités qui aujourd'hui sont effondrées avec le relèvement des taux. Donc ça veut donc dire qu'en perspective, vous avez des promoteurs régionaux et nationaux qui sont entrés dans des dispositifs de plans sociaux. Et vous avez également des banques qui transforment leur relais de trésorerie en prêts de bas de bilan, et ce qui signifie qu'elles se disent qu'elles pourraient peut-être les transformer en actions pour pouvoir contrôler les promoteurs pour perdre moins d'argent. Le secteur du logement, c'est un super tanker. Il lui faut beaucoup de temps pour s'arrêter. Il est en train de s'arrêter. Il lui faudra beaucoup de temps pour redémarrer. Charlotte Leduc. Oui, merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, ma question concerne la mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes annoncé par votre prédécesseur Gabriel Attal en juin dernier. Dans votre projet de loi de finances, on observe quelques ajustements législatifs qui sont bienvenus. Mais le cœur du problème sur le sujet de l'évasion fiscale, c'est évidemment que sans moyens de contrôle supplémentaires, vos mesures n'iront pas bien loin. Aucune augmentation réelle des moyens du contrôle fiscal, puisque les 1 500 effectifs supplémentaires sont des redéploiements après la perte de 1 600 postes au cours des 5 dernières années. Aucun changement de paradigme pour enfin empêcher l'évitement de l'impôt à grande échelle. Aucun moyen supplémentaire non plus pour les services d'enquête et de justice. Ma question, messieurs les ministres, est la suivante. Pourquoi ne faites-vous pas le choix politique d'aller chercher les 80 à 120 milliards de manque à gagner par an dus à l'évasion fiscale ? Un agent dans le contrôle fiscal rapporte 1,5 million par an. Un agent à Tracfin, c'est 30 millions de rentabilité. En dehors des redéploiements de moyens dans le contrôle fiscal, qu'en est-il de la justice et des services d'enquête ? Ceux-ci sont pourtant nécessaires si on veut réellement aller chercher les milliards. Vous pourriez augmenter considérablement les recettes de l'État tout en rétablissant la justice fiscale au lieu d'imposer aux plus modestes une austérité brutale. Merci. Et enfin, Karim Benchek. Oui, merci. Simplement pour dire que nous apprécions à sa juste mesure l'augmentation des moyens budgétaires et humains de la mission Action extérieure de l'État, mais je dois dire qu'elle est à rapporter à ce qu'a subi notre appareil diplomatique depuis près de 30 ans. Vous connaissez les conséquences du démantèlement de notre appareil diplomatique. Vous connaissez les conséquences sur le réseau consulaire avec la crise des visas ou la fragilisation sans précédent de nos compatriotes les plus vulnérables. Nous savons aussi désormais que sans réarmement de notre diplomatie, nous fragilisons certaines de nos opérations extérieures, ainsi que le Sahel l'a montré par exemple, voire nous finissons par briller par notre absence, laissant place à d'autres acteurs pas forcément bienveillants. Ma question est donc simple, pouvons-nous confirmer que cette augmentation s'inscrit dans une vision pluriannuelle du réarmement de la diplomatie ? Et auquel cas, pourquoi ne pas reprendre les propositions des États généraux de la diplomatie d'une loi de programmation qui serait l'occasion de repenser notre outil diplomatique à l'aune des nouveaux enjeux face auxquels nous ne sommes manifestement pas outillés au vu de la succession de déconvenues que connaît notre pays et dont les principales victimes collatérales sont à ce stade nos compatriotes installés à l'étranger. Merci. Merci, messieurs les ministres. Oui, rapidement, monsieur le Président, car nous devons filer au Sénat. Xavier Roseren, sur l'alignement de la fiscalité et de l'allocation, je redis la nécessité d'être prudent, puisqu'une majorité de bailleurs sont au régime réel,
et n'opte pas pour les abattements forfaitaires à 30% sur la location nue ou 50% pour la location meublée. Si on aligne l'abattement de 30% sur celui de 50%, par souci de cohérence, cela coûte 1 milliard d'euros. Si à l'inverse, on baisse l'abattement de 50%, on fait plus de 500 000 perdants. Donc il faut bien voir l'extrême sensibilité de ces sujets. Donc je propose que nous regardions cela ensemble avant toute décision. À l'inverse, comme certains l'ont proposé, le PTZ, on peut faire ça rapidement, y compris dans le PLF, si cela est souhaité par les parlementaires. Cela Dupont, sur SCCI, c'est un dossier que nous suivons ensemble avec plaisir depuis maintenant près de 7 ans. Moi, je constate que ce que nous avons engagé ensemble, c'est-à-dire le meilleur équilibre entre les économies demandées par l'État et la dynamique économique des CCI, fonctionne. Après, je suis prêt à rouvrir la discussion avec vous sur le montant d'économie qui peut être demandé raisonnablement aux CCI. Je suis ouvert à la discussion. Émilie Bonivard, sur le logement, je partage évidemment votre analyse. J'en profite pour répondre aussi à Mohamed Akila, Daniel Labaronne sur ces sujets-là. On peut prendre des mesures immédiates dans le PLF. D'autres mesures, je pense en particulier aux prêts à taux bonifiés, vont demander plus de travail parce que c'est des instruments complètement nouveaux et on ne les lance pas sans avoir, j'ai évidemment consulté déjà un certain nombre d'acteurs du secteur, mais il faut que les banques, les bailleurs, les institutions financières soient prêtes à participer. Je laisserai évidemment Thomas répondre sur les questions de fraude posées par Charles Leduc et Franck Alizio. Dominique Da Silva, sur le logement social, moi je rappelle juste deux choses, que l'urgence c'était de sauver les programmes qui étaient en cours. On l'a fait par le rachat par la Caisse des dépôts, Habitat et Action Logement d'un certain nombre de programmes. C'est l'accord que nous avons conclu en juin, où j'ai accepté un certain nombre de choses pour que cet accord soit conclu. Donc je pense qu'on a fait le nécessaire. Je rappelle aussi que j'ai décidé de plafonner le taux du livret A à 3,5% pour trouver le bon équilibre entre la rémunération des épargnants et le financement du logement social. Ce qui est un effort important, parce que c'est compliqué à expliquer à nos compatriotes qu'on plafonne le taux du livret A à 3,5% en période d'inflation. Ça permet de construire du logement social. J'aimerais qu'on ne l'oublie pas, parce que ce genre de choses, quand on prend la décision, tout le monde vous en est reconnaissant, et le lendemain, c'est oublié. En revanche, nos compatriotes voient bien que le taux du livret A est plafonné à 3,5%. C'est une décision que j'assume totalement, que je revendique. Je pense qu'elle est équilibrée et juste. Mais j'aimerais que les acteurs du logement social ne l'oublient pas trop vite. Enfin, dernière question sur la question de la politique étrangère et du financement de l'action extérieure de l'État. Je pense que ça peut faire l'objet d'un débat utile au Parlement. Merci. Thomas Cazenave. Merci. Pour répondre à la question de Stella Dupont sur la question du logement intermédiaire, on a transformé l'exonération de taxes foncières en créance d'IS pour le logement intermédiaire. Je crois que c'était en 22 ou en 23. Pour en bénéficier, il faut que la structure juridique soit uniquement des personnes morales. Et le PLF 24 étend la créance d'IS aux SCPI, mais intégralement détenues par des personnes morales. J'espère que ça répond à votre question. Mohamed Lakila, dès lors que l'évolution vous proposée n'entraîne pas une hausse du droit de passage pour les usagers, mais modifie seulement l'utilisation de la ressource par les collectivités concernées, ce qui s'inscrit dans mon objectif de responsabilisation des collectivités locales, il me semble que c'est une bonne idée à laquelle je pourrais être favorable. Enfin, monsieur Alizio, plan fraude. D'abord, traduction de 10 dispositifs législatifs nouveaux, c'est pas rien, loin de là. Ça crédibilise un plan fraude qui contient par ailleurs 86 mesures. Tout n'est pas du niveau législatif. Et je vous ferai un peu la même réponse qu'à monsieur Tanguy. Sur la question des fraudes, elle a été mise sur la table au dialogue de Bercy. Le groupe socialiste, par la voix de Christine Pires-Bonne, est arrivé avec des propositions concrètes pour enrichir le plan fraude. Je n'ai pas entendu de proposition de la part du Rassemblement national pour muscler un plan probablement déjà suffisant à vos yeux, mais vous avez juste du mal à le reconnaître. Et s'agissant de Madame Leduc sur le plan fraude, de la même manière, je vous invite à regarder le renforcement des dispositifs de contrôle des prix de transfert, qui est un vrai sujet, notamment pour toutes les équipes en matière de contrôle fiscal. Nous créons l'ONAF,
nous créons l'ONAF, donc transformant le service d'enquête judiciaire en ONAF avec 40 ETP supplémentaires et nous doublons le nombre d'officiers judiciaires. Je considère sur la question de la fraude fiscale, sociale, douanière, voilà un sujet sur lequel nous pourrions nous retrouver. Il y a une véritable ambition avec des évolutions concrètes très attendues par les agents. Bien, merci messieurs les ministres. Juste une petite chose, je suis en train de chercher avec mon cabinet la notation sur l'exception française dans le rapport du FMI sur la question de l'inflation. Je ne le trouve pas, donc je suis preneur de l'extrait, parce que je ne vois pas, j'en vois pas trace. Je vous fournirai ça. Il y a aussi plus simple à trouver, c'est le rapport de l'INSEE. D'accord. Qui montrait clairement que l'inflation est tirée par, un, l'augmentation du prix des intrants, deux, l'augmentation du prix de l'énergie, et en trois seulement, les marges. Donc je crois qu'il vaut mieux s'attaquer aux causes sources de l'inflation plutôt que de systématiquement mettre en avant la question des marges que nous traitons par l'accord de modération des marges. Je suis bien d'accord, mais je ne partage pas votre diagnostic. Mais on en reparlera, mais j'attends l'extrait du FMI. Qu'est-ce qu'il y a il faut vraiment qu'il s'en aille. Non, mais c'est juste une précision. Ce que nous avions transmis au ministre Cazenave, je l'avais fait au nom de l'intergroupe NUPES. Donc je voulais juste le préciser parce qu'on y a travaillé ensemble. Merci, merci. Merci, messieurs les ministres, pour cette audition. On se retrouve à 21h15 pour l'article 88 sur le LPFP. Je vous le signale en commission, on s'y ira vite. Mais merci. Allez, on enchaîne. Remarquez que ton rapport ici. La question des marges a beaucoup plus de poids. Oui, c'est bien. Alors, le rapport est fini.